faire mes petits réglages au niveau de l'inventaire que j'ai, de virer ce que j'ai à virer, et puis. Si tout est bon, et après Ouais. je vais. Pas Je de te soucis. rejoins ou tu me rejoins? On se rejoint. Bah écoute, je peux te rejoindre, et puis après. Après, alors, je vais t'expliquer au fur et à mesure, parce que je t'enverrai le lien, si tu veux, de l'événement qui se passe aujourd'hui, qui se passe Ouais. maintenant, là. Et puis voilà, il n'y a pas de souci. Ok. Je vais te rejoindre, je vais te rejoindre. Tu me dis dès que tu es Bah, je te présent, rejoins donc. j'arrive. Donc, salut les amis, on se retrouve sur The Division avec Spencer encore une fois. Hey, bonjour à tous. Qui arrête pas de faire des bêtises. Ouais, tout de suite, j'ai même pas commencé, j'ai fait déjà des bêtises. Par contre, je sais pas si c'est bien, mais il y a le Black Friday en ce moment sur. Mais par contre, c'est que sur. C'est pas intéressant parce que de ce que j'ai vu, il n'y a qu'un seul jeu qui a moins 80% hein, sur Uplay. Ça peut être possible, mais ça peut être possible. Mais bon, ils vont commencer peut-être effectivement le jour de Black Friday, voire même un petit peu avant, histoire d'avoir un petit peu plus de monde. Et puis après, on verra exactement ce qu'ils proposent en Black Friday à ce moment-là. Bah c'est déjà le On verra, Black on verra. Friday là. Ça commence aujourd'hui. Hein. Non, c'est normal, c'est le jeudi 23 et le 24. Jeudi 23, vendredi Bah 23, pardon, normalement, et. Black Friday c'est juste le vendredi, mais pour les trois quarts du temps c'est la semaine. Ah oui, après, trois quarts du temps, oui. Non, je crois que c'est plutôt la semaine prochaine, ça va commencer à partir du 23 et du 24. Sais plus quel jeu que j'avais vu qui était en promo, mais. Putain, mais. Ah non, c'est pas le. Il y a pas mal de jeux en promo. Il y a que Zombie. Je sais pas ce que c'est un jeu Ubi qui est à Planté. moins 80%. C'est le seul qui est sorti il y a deux Planté jours. zombie? C'est Zombie tout court, il s'appelle. Ah, d'accord. Salut Pyrose. Salut, salut. Je pense que ça peut être planté zombie aussi, là. Donc là, ça peut être possible. Mais je sais pas, il s'appelle Zombie tout court alors. Bah écoute. Et Plantes versus Alors. Zombies, c'est de ça que tu me parles? Ouais, je crois aussi ça, ouais. Mais ça, c'est Origin, c'est pas Uplay. Ah, c'est pas. Ah bon? Ah, Mmh. autant Bah, pour c'est moi alors. EA, Autant pour moi. c'est pas Ubisoft. Autant pour moi, je pensais que c'était C'est EA. Uplay. Non, non, c'est EA. Mais de toute façon, je l'ai, Plantes versus Zombies. Ah, d'accord. Je l'ai eu gratuitement, je l'ai pas payé. Parce que Origin en fait c'est de la merde, mais ils font quand même des jeux gratos de temps en temps. De toute façon, les Bah, 3-4. ouais, c'est vrai qu'au point de vue jeu, ils n'ont pas vraiment un panel, une bibliothèque assez large. Ouais. À part. De quoi? Ah si, ils ont Ils n'ont pas une quand. bibliothèque assez large. Ouais, à part EA, ils ont Dead quand même Space, pas mal de trucs, hein. Ils ont les FIFA, ils ont. Battlefield. EA, Ouais, ils ont mais les c'est pas. FIFA, ils ont les Need for Speed, ils ont. Il y a beaucoup de trucs, hein. Mais le truc c'est que plus en fait plus les jeux avancent plus c'est de la merde. C'est Non, buggé à souhait et ça au avance niveau pas des quoi. mix sportifs, tu me conseillerais lequel, toi? Need for Speed. Ouais, Ben en lequel? tout cas ils seraient pas sur EA déjà. Là, sur leur Uplay. Sur Origin plutôt. Moi je te conseillerais le premier Mastodontide de 2000, 2001 ou de 97, je sais plus. Et Underground 2, tu vois, en fait, moi, c'est les tout premiers jeux, ça, le Need for Speed. Ouais, je suis Sinon, pédé. j'ai. Hop. Moi, j'ai le. Ouais, j'ai Need for Speed Underground 1 et 2. J'ai le Carbone, j'ai Ouais, je le. les ai aussi sur PS2, par contre. Pas sur PC. Mais ceux qui sont là, les Payback, non, c'est pas, non? Ou Need C'est for de la Speed tout merde. court, non? La C'est pas. grosse merde. Ah Ça ouais? coûte trop cher pour ce que c'est. Et puis, en plus, ils te prennent pour un jambon, parce que, en gros, ils te font des mises à jour. Et il te rajoute quoi? 4 courses. Ah Ou oui. 3 courses. Ok. Tu sais, en plus, c'est pas comme s'il faisait des mises à jour toutes les semaines ou tous les mois. Hein. Non, c'est une mise à jour tous les 3-4 mois. Machin. Leur jeu, il est optimisé quand même à la base. Mais c'est. De toute façon, les gros trucs du genre Ubisoft et EA, leur jeu est très mal optimisé en règle générale. Non. Bon, là, il faut savoir parce qu'avec les nouveaux qui sortent de sortir, Parce c'est pour que ça. même The Division, tu vois, il est pas super bien opti, je trouve. Mais tu vois, c'est pas que le jeu est nul. En soi, l'histoire Non. est bien et tout, mais
C'est le jeu, j'ai une config de malade et pour. Non, malade, entre parenthèses, parce que quand même, j'ai pas Oui. un super. J'ai un bon proco, mais il est pas au goût du jour, quoi. Et j'arrive à ramer, quoi. C'est fou, quoi. Ouais. Bon, bah écoute, moi aussi, du moment, bon, Bon, on je voit ton trouve, avis. après, c'est. Après, t'as des trucs, tu vois, par exemple. Mais après, en fait, j'ai l'impression que quand un truc commence à BP, on va dire. Et ben là, c'est à ce moment-là que ben voilà, ça part en sucette. Bon, si c'est bon. Bon, maintenant je saurai. Ça marche. Ça marche, ça marche. Parce que Vous êtes sur le point d'entrer dans une zone de sûreté. tu vois, par exemple, je sais pas si tu au moins t'as entendu parler d'American Truck ou d'Euro Truck, un truc dans le genre. Oui. Tu vois, à l'époque, pour moi, c'était un jeu qui vraiment était ouf et tout, et au final, ils ont gagné beaucoup d'argent. Et à ce moment-là, bah, ça a commencé à se dégrader. Tu vois? Parce qu'en gros, en 2012, ils ont sorti Euro Truck. Et en 2016, je crois, ils ont sorti American Truck. Mais après, entre 2016 et 2018, ils ont sorti que 3 DLC sur American Truck, contre 3 autres, contre même plus que ça sur Euro Truck, qui est un jeu beaucoup plus vieux. Ah ouais. Tu vois, donc moi je trouve ça stupide, t'as un jeu qui est en plein développement, qui pourrait avoir une map énorme et tout, et au final ils préfèrent privilégier un autre jeu. Non, là au bout d'un moment c'est pas possible quoi. Tu sors un jeu, tu l'optimises, tu fais ce qu'il faut, les mises à jour elles étaient quasiment ultra rares et tout. Tu vois, je pense que t'as des. Bon, après les mises à jour sont rares, mais par exemple tu regardes Farming Simulator. C'est quand même. Ils ont quand même gagné pas mal d'argent avec leur jeu, mais ils restent quand même réguliers, ils font des mises à jour au moins une fois par mois, assez régulièrement et tout. Même avec Ark par exemple, ils font quand même des mises à jour encore régulières. Même si le jeu est plutôt bien optimisé, mais pas trop non plus. Donc Puis si en tu veux, fait, je suis dans le jeu. Si tu veux. voilà, ils vont, ok, ça marche. Ils vont quand même le lancer, et puis après, c'est au fur et à mesure d'évolution qu'ils vont voir qu'il y aurait peut-être des mises à jour à faire à ce moment-là, ouais. C'est que, ouais. Bah, en gros, t'as des jeux, tu vois aussi, mais ça après, c'est hyper courant sur Steam par exemple. Les indés, les développeurs indés, en gros, ils te sortent des jeux qui sont assez convenables au début, mais pas en cours de développement, et après, ils les abandonnent ou presque. Juste parce que voilà, ils ont gagné le fric qu'ils voulaient, et puis c'est bon. Bon, apparemment, je peux pas te rejoindre. Ah bon? Non. Tu veux que j'essaie moi ou Bon, vas-y, ouais, parce que là, je peux pas te rejoindre. Non, amigo. Impossible de rejoindre le groupe. Ah, t'es sur une autre Ah, carte. regarde. Ah, peut-être. Toi, t'es en haut, toi? Moi, je suis dans le souterrain. Ah, bah voilà. Ah, c'est Voilà. pour ça, C'est alors. pour ça. Par contre, c'est C'est pour nul, ça. ça. Ouais. En fait, entre le terminal et le souterrain, il y a 5 km entre Ah les bon? deux. Ouais, c'est marqué, Ah bon, c'est nul, ça. En fait, on sait qu'ils se trouvent au sud de notre map, mais on ne sait pas où exactement. Voilà. Ouais. Autrement, est-ce que tu veux que je lance une petite recherche de joueurs pour savoir si à Tu plusieurs vois, sera là. Sympa de faire sais, moi le des. truc c'est que là, tu vois, on est en stream, c'est différent, on vient. Mais vraiment, il faudra vraiment que ce soit un joueur comme les premiers que t'as invités, quoi, du genre. Agent, Des gens abruti de la radio, matures le et commandement nous avait ils largué des connaissent, ouais. stations SHD pour Des trucs comme coordonner ça, nos opérations. pas. Le souci, c'est qu'elles sont restées là-bas. Même pas On des veut les personnes qui, ouais, récupérer, voilà, c'est mais des tous les joueurs qui agents connaissent renégats pas de la ville trop, et puis aussi. voilà. Si en fait, Former une quand tu équipe vois et aller quand tu vas sur télécharger la tout ce que carte, vous tu vois pouvez sur aperçu pour de la quelqu'un mission, d'autre. Attends, tu verras que t'as. je t'entends pas avec l'autre derrière là. Voilà. Ravitaillement en Ah, voilà. approche. Donc, comme je disais, que quand tu vas sur ta map et tu vas sur aperçu de la mission, tu verras qu'on a une liste au niveau de l'event à faire. Ouais. Et c'est ça qu'il faudra qu'on fasse Les au barreaux début. d'honneur, c'est ça? Ah non, c'est quoi? Attends, je te regarde Largage de ici. ravitaillement? Alors, ça, déjà, il faut qu'on va, on va te le faire. Ok. On va te le faire. J'en ai déjà fait un. Bon, alors si tu veux bien, on peut. Ouais, mais les largages reviennent assez souvent, surtout là, en plein événement. Donc là, ils reviennent. Donc maintenant, je vais te rejoindre si tu es maintenant dispo. Parfait. Je rejoins le groupe. Il est où le largage? Un nouvel agent Ah, il est va là. rejoindre notre équipe. Ou à l'est?
Alors, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais partir directement là-bas. Ah oh, bah tiens, il est parfait, nickel. Parfait, parfait. Bon, ça va, il fait pas trop froid chez toi? Je sais pas combien il fait dehors. Ce matin, j'ai ouvert la fenêtre, elle voilà, il faisait 12 degrés quand j'ai fermé. Ah. À l'intérieur. Parce que là, il doit faire pas loin, ouais. Il doit faire dans les 10. Ouais. Dans les 10, donc, sachant que en plus c'est couvert. Faire, je dirais 10 degrés à peu près. Ouais. Il doit faire dans les 10. Bah, surtout que là, ils ont lancé, à partir de demain, il va faire une vague de, froid. Oui, ici, à partir de demain, il doit neiger normalement. Enfin, c'est ce qui a été annoncé en tout cas. Ça change entre temps, parce qu'apparemment, ça va neiger au nord. Ah bon? Justement, je suis en train de digérer. Mais pas trop au sud-est, mais c'est encore à vérifier. Alors le vergage se trouve là, ici. Okay. Et puis en plus on a une alerte jaune verglas en plus ici. Oh. Alors, avant toute chose, regarde sur le nombre de munitions. T'es quoi? Au nombre de tes munitions. Ah, bah, le nombre de munitions. Mais moi je suis au maximum sur ton interface, tu vois là. Là, tu vois, quand tu vas changer de d'arme, quand tu vas recharger, recharge, tu vois, ça change. Ah. En fait, on a hémorragie, flamme et l'autre du dernier, je sais plus, c'est hémorragie, flamme. Alors, attends, parce que du coup, je vais revenir là sur ce que j'avais envie l'autre fois. Si j'arrive à le retrouver, c'est cool, c'est plutôt sympa. Ouais, en fait, voilà, c'est l'event qui va. Je me posais une question, ce que ça voulait dire. Cette flamme, maintenant. Donc, en fait, à chaque quand tu vois ce symbole là, à un moment où tu vas tuer un mob. Il aura il sera ou enflammé, il aura une hémorragie, ou il sera gazé, je crois. Le dernier, c'est gaz. Ou il sera aveuglé, je crois. Aveuglé, ouais, peut-être. Donc voilà. Vous pouvez gagner des munitions intelligentes quand au moins deux membres du groupe éliminent au moins en moins de 2 secondes. Recherche. J'ai pas eu le temps de faire l'image. C'est pas grave. Pardon. J'étais en train de lire le truc. Mais... Oh, on peut aller faire le ravitaillement. Je sais pas si c'est... Non, le ravitaillement il reste à son nom. Oui, il a... Alors, si tu vois sur ton map, t'as un temps donné, je crois que t'as 15 jours. Non, il n'y a pas de temps dessus. Si, c'est marqué. 13 jours, 23h, 57 minutes et 39 Moi, je le vois pas. Sécuriser le largage de ravitaillement, il n'y a pas de temps. Si, t'as le largage de ravitaillement et en haut, t'as un décompte. Sur ta map, quand tu vas sur ta map, aperçu de la mission, et quand tu descends sur le largage qui se trouve après tes missions quotidiennes, tu as le largage marqué ravitaillement et avec un décompte dehors. Moi j'ai pas de décompte en fait, du tout. Bizarre. Parce qu'en gros, tu vois, j'ai sécurisé le largage, après j'ai F pour sélectionner, sécuriser la caisse du largage de ravitaillement, statut de largage et ravitaillement. Non, c'est pas nul The Division. Il date un tout petit peu maintenant, parce que même il a été fait en 2016, donc maintenant il a quand même 2 ans le jeu. Mais il est encore pas top. Encore, si tu commences tout juste le jeu, tu vas voir que bon, tu fais tu montes de niveau normal comme si tu faisais un RPG. Après dès que tu es arrivé à la limite. Niveau qui est le niveau 30, tu as un autre gameplay qui va arriver, et puis là c'est du online à tout bout de champ. Là c'est vraiment du online. Autant on peut faire une partie solo de jusqu'au level 30, et après le level 30, on a une partie RPG qui est online qui est vraiment fait perdre. Surtout si on se met en groupe en plus, alors c'est que du bonheur. Là c'est vraiment que du bonheur. Donc je vais t'envoyer la page que je. Comme ça, vrai, ça se trouve. Ah, on vient de me demander. Hein. C'est qui? Ah, ouais, d'accord. Ok, j'ai pas vu. J'ai l'impression que les bots sont un peu plus élevés, je crois. J'ai l'impression. Par rapport ouais, à... c'est niveau 34. Ah, mais c'est le. Il est là le largage en fait, non? Ouais, c'est ça aussi, c'est ça. Attends, c'est vraiment. Vous avez tendu vite sur la photo. C'est pour ça que je trouvais qu'ils étaient plus forts en fait. Voilà, hop, je le laisse, hop, je m'envoie, voilà, hop, je reviens sur toi. Ça marche. Non, on est juste à côté de ouais. Donc, je vais un peu les employer.
là. Ah, tu verras que quand tu changes de munitions ou d'armes, tu verras qu'ils ont les symboles sur au-dessus de leur tête qui indiquent qu'ils sont enflammés, qu'ils sont en train de saigner, qu'ils sont en train de... Ouais. Voilà. Maintenant, ton bagage est sécurisé. Oh, merde. Tu peux le prendre. Alors, évidemment, chaque largage est différent. En fait, ça, c'est ton largage. Moi, je peux pas avoir accès. Ah bon? Non. Vous avez réussi à obtenir le ravitaillement. Cassez-vous, oui! Oui, cassez-vous. Les points de ravitaillement ont été nettoyés. C'est ton largage qui est propre à toi-même. Okay. Donc, tu vois, si on va chez quelqu'un sur une situation avec une autre personne, tu pourras pas récupérer son largage. Parce qu'elle est à lui. Donc voilà, alors... Donc en fait, l'event, c'est juste pour les munitions? Ou il y a des trucs spéciaux? Oui, voilà, c'est pour les munitions. Après, tu as des niveaux. Si tu veux faire un test de... On peut faire un test de mission. Alors, ah, attends, ouais, je vais prendre sur ma carte. On va prendre une carte. On va prendre celle qui sera à côté, la mission russe. Consulat russe, pardon. Moscow. Ouais, consulat russe. Bon, c'est pas moi qui le lead, donc c'est toi qui l'as. Donc si tu as dessus, là, mais t'es pas obligé de le... Là, c'est pourquoi ouais. Offensive. Alors, c'est pour ça. C'est marqué, toujours activé. Infliger les effets de brûlure, d'hémorragie ou de gaz aux ennemis les plus... en plus des dégâts normaux, rechargés pour changer d'effet. Ça, c'est l'offensive. C'est un truc qui est en rapport avec l'event, non? Oui, tout à fait, oui. Tu parlais le consulat russe. Voilà, tu as trois niveaux. Tu as l'offensive et les deux autres, je sais plus. Bah, c'est juste à côté, de toute façon. On avait fait le consulat russe. Attends, je vais lancer un peu devant. Ouais, va en cours, c'est bien les cours. Ouais. J'arrive pas à croire que c'est moi qui dis ça, mais. Ah oh, bah écoute. On a fait notre école, mon lycée, et puis. Bah ouais, j'aurais préféré ne pas y aller, mais bon, bah, entre parenthèses, parce que j'aime pas trop l'école. En tout cas, tout ce qui est primaire collège, c'est emmerdant, mais après, hein, lycée, c'est sympa. Lycée, ça reste, c'est assez cool, on va dire, le lycée. Ça reste assez cool. Ouais. Après, on se mettra en vocal sur le Discord de The Division. Comme ça, on verra ça donne. De quoi? Pourquoi? Après, dès que j'aurai des demandes, on se mettra sur le Discord de The Division. Ouais. Bah ouais, moi, comme je t'ai dit, il faut vraiment que ce soit des gens qui soient... Ouais, c'est pour ça que j'ai mis bonjour commu, demande deux autres joueurs de bon niveau, voire très bon. Bah, je parle Merci. Pas forcément du niveau, je parle de maturité là. Bah. Parce que ce week-end, tu vois, c'était pas... Ah, bah, après, voilà, on peut tomber sur... C'est pas forcément l'âge qui... Enfin, le... Comment dire? C'est la maturité que je préfère, tu vois, plutôt que le niveau, on va dire. Ah, et surtout que après faut pas trop qu'on soit non plus 4, ça serait vraiment le maximum quoi, parce que... Bah non, tu verras, tu vas... Parce que après... Il y a pas plus 4. Par contre, sur l'autre event, ouais. Sinon. Sur l'autre Discord, sur l'autre event. Sur l'autre Division 2, là on ira jusqu'à 8. 8 agents. Il y a 8. Ouais, 8. Je fais quoi avec les 8? Et bah là on aura un peu plus, c'est-à-dire qu'en fait on ira peut-être sur deux fronts, tu vois. On pourra se partager les missions, donc en fait il y en a qui peuvent aller sur c'est au centre de dans un groupe, t'as un groupe de t'as des étages comme ça, peut-être il faudra partir d'un côté et pour aller partir de l'autre, toi, pour
moins les récupérer. Alors, je vais essayer de retrouver l'event Oslo, ce que j'ai vraiment du mal à trouver. Non, bon, je l'aurais pas, bizarre. Et on verra. Oslo. Bon, je ne vais pas trouver. Bon, on verra, en tout cas, je vais attendre que. Pendant ce temps, bah écoute, on peut faire, c'est, on va essayer le point de vue, le consulat russe, qui se trouve pas là. Là, il est juste à côté, je crois. Ouais, il est pas là. On peut essayer de voir du direct, ouais. On va en comme ça, ouais, on verra. On peut essayer de téléporter. Ouais. Là, maintenant que tu as fait l'émission, principale, tu peux téléporter directement sur eux. Ouais, tout ça, j'ai tout fait. Ah, mais c'est celui qu'on avait fait la dernière fois d'ailleurs, non? C'est celui avec Loulou Coupière. Non? Non. Ah non, c'est un autre truc, ouais, c'est un autre truc. Ça, c'est. Non, je trouve dans le conseil, c'est un autre. Alors, tu peux mettre. On va essayer. Je dis bien, on va essayer. On va faire la partie expert. On va essayer expert. Ok. Donc, et en plus, niveau de l'event, tu laisses sur offensive. Ah, mais tu veux. C'est vrai que c'est à moi de changer. Ouais, parce que c'est toi qui as Je peux pas changer de niveau. Je peux pas changer la difficulté. J'ai bah, matchmaking rapide, matchmaking, rejouer la mission, retour. Je peux pas changer de niveau. Ah, t'appuies sur. Attends. Alors, t'appuies sur F et tu fais. Rejouer la mission. Rejouer la mission? Ouais, tu fais rejouer la mission. Après, tu configures la mission et tu mets, on va essayer expert. Ok. Et après, c'est tout. C'est tout. Là, je peux faire. J'ai offensive. Offensive, offensive sauvage et offensive brutale. Alors, vas-y, mets-toi sur offensive sauvage et lis-le. Sans le valider. Comportement offensive et l'ennemi. Ils sont vulnérables à type d'effet résistant aux autres. Les agents subissent des dégâts augmentés par des parts ennemis résistants. Attends, de la part des ennemis résistants, plutôt. Ouais. Et après, essaye le brutal. Donc là, c'est le top du top. Ah ouais, sans valider encore une fois. Comportement d'offensive sauvage. Et lorsque au moins deux membres d'un groupe éliminent un ennemi vulnérable, au moins deux secondes, chaque membre du groupe peut recharger pour emporter bonus de dégâts avec un simple chargeur. Ah, c'est pas mal, hein. Je pense qu'on va rester sur le normal, non? Oui, offensif. Tu restes sur offensif et après tu le bannis. On va essayer, on va d'abord. Par contre, dès qu'on sera en groupe, dès qu'on aura un groupe, on pourra utiliser sauvage ou brutal. Alors, on a des. Je vais laisser comme ça. Je regarde si ça. Non, ça ne joue rien. Bah, c'est sûr qu'en plus, on est en pleine journée. Donc, je ne crois pas qu'on aura du monde qui va venir aujourd'hui. Mais, ouais, il est pas mal ce pont. Il a 20 balles dans le chargeur. Cool. Alors là, on va y aller. Donc surtout, ne passe pas les portiques tant que je ne les ai pas. Agent, on a intercepté une communication radio du LMB. Il semblerait qu'eux aussi aient eu le message. Est-ce que tu as une box avec toi? Fouillez le consulat et essayez de une box, c'est-à-dire une box qui permet de maintenir en vie. Non. Ouais, t'as un. Non, même pas. T'as un bouclier, toi, d'accord. Ok. Un bouclier, d'accord. Le bouclier, on va essayer de t'envoyer une vidéo pour optimiser ton bouclier si tu veux continuer à utiliser ce bouclier. Allez, c'est parti. Alors, tu vas te mettre derrière le bureau, là. Voilà. Et puis moi, je vais essayer de... c'est pour ça, tu peux le refaire, je vous tiens. Alors, comme d'habitude, en premier, le médecin. Ah ouais, allez, dès le départ, ok. Ah, c'est mort? Non, blessé. Ah. Moi, je suis choqué. Ah, je suis mort. Et voilà, on est mort. Bon, laisse tomber. J'ai fait le cacou. Je suis parti trop vite. Ah, c'est toujours les plus vieux qui meurent les plus jeunes. Ouais. Rien dire. C'est pas grave. Ça veut j'ai strictement rien dire. Attends, je vais voir s'il faut pas remettre. Non, c'est bon, ça a été validé, ok. J'ai fait le cacou.
Bon, on va essayer de se repasser. Ah bah non, il a pas été... bon, c'est pas grave. Attends, je vais l'arrêter parce que en tout cas, on va s'attirer. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est bon, j'arrive. Non, c'est bon, hein. Mais Ah, j'ai une gaffe. Ouais, c'est la corvette. Il y a une tourelle. Attention, hop, sur grenade, ouais. Voilà, ça c'est ah, bon. Ok. C'est bon. Ouais, j'arrive. Donc là, tu es protégé par la limite, tu peux rester là si tu veux. Là, il y a un. Tu es protégé par le vert. Il y a un médecin. Hein. Il y a un médecin sans frontières. Ah, il est en haut. Oh, tiens, j'ai une tourelle là. Ah non, le médecin, là, il y a le milieu presque mort, le médecin. Là, il y a les dents. Là, il est pas down, le médecin, il reste plus de vie quasiment. Là, le médecin est mort. Aïe. Médecin est mort. Par contre. Ok, fais gaffe, t'as une mine qui t'a un peu. Thank you.
Ah, c'est bien joué ça. J'ai réussi à mettre la petite tête de la fin au pépon. Pas mal, non? Attends, 30 secondes, je regarde un truc. Ah, ok. Ah mais c'est au-dessus qu'il y a le machin. Et ouais, excuse-moi, j'avais sans vouloir j'ai. Donc je disais que je vais voir. Ouais, sans vouloir j'ai pas fait. J'ai de l'or qui m'a demandé. J'ai dit, tiens, je suis pas dans le ville. Toujours pas de nouvelles, donc on va dire qu'on va faire, un peu solo. On va le faire en solo, tout en plus. Ouais. Oh, j'ai du pipo là en haut. Ouais, c'est bon, j'arrive. Allez, j'arrive, j'arrive. Et là, tu peux recharger. Parfait, nickel. On recharge. Alors, reste dans le coin, c'est tout, ouais. Alors n'oublie pas que si tu veux changer pour les aveugler et tout ça comme ça, tu... Ah, c'est bon. Bah, ma mine... On est à 5 ans là. Voilà, médecin des canillés. C'est bon. De gros des camions. Voilà. Voilà. Il y a du violet là. C'est de la merde. Ah, tu peux prendre, après tu peux du manger. Hein. Ouais, mais bon, je vais mettre place dans mon sac. Alors, là, je vais balancer une bouboule parce que je sais pas qu'est-ce qu'il va nous tomber dessus. Attention, hostile en approche. Ah, mais il est derrière le mur. Merde, quel con. Ouais. T'as une porte derrière le mur. Voilà. Parfait, nickel, bien joué. Attention, voilà. Hostile en approche. C'est bon. Ah, ah si c'est bon. Tu peux recharger, tu vas là. Ah oui, reste, j'avais pas vu cette quête. Ah, hop. C'est bon, allez. Donc là, on va aller au niveau des serveurs. Dans les serveurs, gros truc. Agent, je ne suis pas certaine de ce que vous devez chercher, mais j'imagine que Tchernenko a continué. Donc à là, il y a différents tiroirs à vérifier si t'as besoin. Des notes, des journaux, ce genre de choses. Je vais pas bien, je suis là-dedans, très bien. Là aussi, il y a un petit truc. Tout plein. C'est plein, plein. Bon, ok. Je suis plein là, au cas où t'avais loupé la caisse, pas ici. Ouais, mais t'as ça, ouais. Bah, moi, ta place, je resterai dans le coin. Parce que je vais avoir des petits soucis qui vont arriver. Et tu peux des balles aveuglantes. Pour ça, ça te tombe les tuer après. Voilà. Ouais. Voilà. Donc maintenant, il y a qui vont être en haut.
Et c'est tous les autres que vous avez. Allez. Ah, ils sont tous descendus en bas. Médecin, des canadiens. Il y a qu'un deuxième médecin. Il arrive en plus parfait, nickel, bien là. Voilà. Ah, le médecin, il est mort. Ouais, il y en a deux, il y en avait deux. Ah bon, il y a deux médecins, ouais. Ouais, ouais, parce que quand tu vois que t'as caisse, quand t'as que le médecin, que toi t'as la caisse, ils sont pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un deuxième médecin qui peut bien leur servir une puissance de calcul pareil. Que comme les tourelles, si tu vois que tu as une tourelle et elle est piratée, c'est qu'en fait, t'as celle-là, cette personne-là, la piratée a piraté ta tourelle. Attends, comme les bombes, elle a piraté les bombes. Je vais baisser un peu le son du jeu. Ça changera pas grand chose pour le stream en tout cas. Oui, c'est pour mieux t'entendre toi, parce que à chaque fois que ça parle ou quoi que ce soit, je t'entends pas du tout. Ah, c'est bien aussi que c'est presque, hein, tu vois, okay. Tellement peu. Ah, faut accéder au virologue. J'y vais ou ouais, j'y vais pas. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Allez, j'y go. Et pas d'agneau. Donc voilà, on a la première porte qui va être là, on aura un micro avec des pompes, tout ça, et après on aura l'autre porte à côté. On dirait des fichiers RNA, ils sont mappés. Les données relatives au génome sur lesquels Tchernenko travaillait. Agent, il nous faut ces données, toutes. Attention, contre-mesure détectée, établissement. Attention, privilège réseau. C'est des grenades de flashbang et c'est de grenade. Agent, vous qu'on avez arrêté qu'on est on a été piraté. Il n'y a que la technologie Shade qui soit capable de faire. Il y a quelqu'un à côté de vous, agent, qui utilise le même matériel que vous. Vous devez récupérer ce matériel et les données de Tchernenko par tous les moyens. Voilà, ça c'est bon. Tu dire de ton côté, tu me le dis. Hein. T'as mis un coup de gueule, mec, t'étais en train de te passer juste à côté de toi. Ah, j'ai vu. Il y en a qui arrivent là. Il y a un médecin, je vais passer derrière. Je suis. Tu me dis si ça va pas de ton côté, comme ça j'ai plus. Il est où le médecin? Je l'ai pas vu partir. Il est monté, il est allé en haut. Viens ici, toi. Petit. Voilà, maintenant c'est bon, ils sont plus protégés. Par contre, fais attention à un ingénieur parce qu'il fait mal. Oh, il y a du monde là, c'est cool. Ouais. 4 personnes, ça bouge toujours. 4-5 personnes. Ouais, il y a un qui monte là, il y a un blindé qui monte. Ouais, c'est blindé. S'il y a que lui, c'est bon. Après, je sais pas s'il reste du monde en haut, mais. Non, je vois pas lui. Donc il reste que blindé, c'est parfait. Oh, attention parce qu'il peut faire mal quand même. Ouais. Fais attention parce qu'il y a un coup de bouclier, c'est vite parti. Hein. Voilà, c'est bon. Et il va mourir, il est mort. Voilà. Oh là. Allez, gueule. Bye. Parfait. Hop, on utilise le clavier. Après, t'as un autre clavier après. On fait le ravitaillement. Tout à fait. Ah, mais il est pas mal de balles, hein. Fusil est bon quand même. Il est ah, gros, ouais. Ça... ouais. Ouais, ça prend pas mal. Évaluation du système de sécurité. Il tire pas mal, mais il fait quand même pas mal de dégâts au final.
12 000 à chaque fois. Voilà. Là, on m'a donné une petite astuce. Dès que ce sera l'occasion, je t'appellerai. Non, et là, il faudra courir. J'étais là. Hein. Donc, ah, bah, parfait. Là. Parfait, il faut aller jusqu'à la porte et après, il passe pas la porte, c'est ça ? Voilà. Il faut, non, il faut d'abord qu'on ouvre, qu'on fasse ouvrir la porte. À partir du moment que la porte est ouverte, là, qu'on pourra y aller. Et si on fonce sans que la porte soit ouverte, là, on risque d'avoir mal. Oh, aïe, je me suis fait choper. Derrière toi, attention. Un gars là, toi, derrière, derrière. Voilà. Et je crois que c'est des gros en plus qui ouvrent la porte là. Ouais, c'est une partie de ceux des gros ou des autres. Donc, recharge-toi, prépare les balles qu'il te faut et on y va. Aïe. Ouais. Ah, c'est ça la prise, elle est partie. Ah, attention à la tourelle, attention à la tourelle. Voilà, médecin des caniers, c'est bon. Là, on a plus de protection. Je vois pas là si la porte est ouverte ou quoi. On dirait... Ah si, on dirait qu'elle est ouverte. Allez, vas-y, fonce, fonce, fonce. La porte est ouverte. On fonce, on contourne. Attention, on t'a dit. Attends, on va pas aller plus loin si tu veux. Moi, c'est réception. Médecin des caniers. Là après on... Et voilà, c'est fait. Il va mourir, je peux l'aider. Bon, ah ouais, voilà. Il est mort. Voilà. Pour que les pompes viennent, je crois que c'est logique, mais bon, tant pis. Voilà. Hop. Bon, on a quand même assuré, même si t'as. Même si t'as un peu mouru, c'est pas grave ça. Ouais, je suis pas mouru, je suis tombé, c'est tout. C'est tombé, ouais. J'ai posé un tombé au par terre. C'est tout. Oui, ça c'est vrai. Je suis pas mort. Hein. Maman, t'es pas mort. Quoique si, on est mort tous les deux une fois tout à l'heure. Là, ouais, là, je risque de faire mal. Je risque d'avoir mal là. Ah bon? Pourquoi? T'as passé par derrière? Le médecin est mort. Ouais. Ouais. Non, c'est les ingénieurs, c'est les tacticiens là. Attention, hostile en approche. Attention, reviens, reviens, reviens. Là, t'as la... là, t'as le fusil, t'as une armada de pompes qui va arriver là.
des caniers. Ah d'accord. Il tourne autour sans te voir, toi. Ouais, mais là, moi, j'ai... Ah, bah, je suis mort. Là, j'ai posé un genou par terre encore. Ah, ok, merci. Ah, pardon, ouais, voilà. Ouais, t'as utilisé ton thé. Tu devais être pas bien non plus, je pense. À moins qu'il... Non, non, après, c'est... Ouais. J'étais pas bien, pense. Ouais, ça va. Je suis en mesure que j'éliminais les... C'est vrai que c'est bizarre parce que des fois il te l'utilise et des fois il l'utilise pas. Vous ne faites pas partie de l'armée, vous. Allez-vous-en. Ah merde. Est-ce que... J'avais bien que j'avais oublié un truc. Vitaly, Vitaly, je suis le docteur Jessica Kendall de New York. Nous avons discuté à Innsbruck après votre conférence. Je vous connais et je pense que vous connaissez mes travaux. J'espère qu'il n'y a pas de problème avec le... C'est vous qui avez mes notes. Elles sont en sécurité. Tout va bien, Vitaly. On est là pour vous aider. Vous voulez bien ouvrir la porte? Parce que... je sais pas. D'accord, je... Vitaly, qu'est-ce qui se passe? C'était une charge explosive. Faites vite, agent. Putain, j'ai rechargé le camembert. Ah. D'accord. Accès au système de sécurité. Accès autorisé. Je savais pas que t'étais pirate, toi. Que ça fait que tu pirates des trucs... Jack Sparrow, c'est moi qui lui ai tout enseigné. Attention, transmission interceptée. Ici Hornet, boss, on tient Tchernenko et j'ai pris ses notes sur le serveur avant que la GTF puisse y accéder. On est prêt pour l'extraction. Parfait. Et nos amis? Ils sont tout prêts. Permission d'attaquer. Donc là, on va voir la vague de... On va avoir 3 ou 4 pompes qui vont arriver. Après, derrière les pompes, on a les deux snipers. Bon, on va se les faire un de chaque côté. Et puis après, on attaque les boss. J'ai pris un coup de jus. Ah, je vais peut-être en vendre autre. Ah non. Non. Pas trop de coup de jus. Non, c'est bon. Ouais, voilà. Maintenant, toi, tu vas. Moi, je vais à droite, toi, tu vas à gauche. De toute façon, on stoppe. Okay. Et après, on se croise ou. What? Ouais, c'est ça. What? Fini. C'est de la merde. Donc là, fais attention parce que là, ça va mieux. Il y a un médecin, il y a un ingénieur et l'autre, je sais pas, deux ingénieurs. Ouais, deux ingénieurs. Putain. Non, ok. Allez! C'est bon? Non, je suis brûlé et quand tu me brûles, je peux pas. Je peux rien faire. Attention piraté, j'ai ma boule qui est piratée. Oh, je suis aveuglé là. Ah, j'ai ma boule qui a été piratée par là. Ah, il y a un pompon. Il y a un peu de pompon. Aïe. Mais j'ai encore mis un genou à terre. Mais c'est chelou. Ouais. Il y en a un peu de pont ou le quart d'heure. Non, c'est pas un peu con, c'est un pas gentil. Ouais, mais il me tire dessus. Même quand tu es à terre. Pour punir. Ouais, ouais, pour punir. Ok. Et moi ils m'ont bloqué là. Eh merde. Oh merde. J'ai pas vu celui derrière. Bon, allez, c'est parti. Bah, non, en fait, le truc, c'est qu'il est venu derrière toi, mais il t'a contourné par la droite, je crois. Ouais. Ouais, et puis moi j'ai utilisé ma dernière. Vie. On peut trop charger là, tu peux trop charger là. Allez, c'est parti. On revient. Où il peut trop charger en bas, mais il y a encore en haut aussi, non? Ouais. T'en as pas en haut. T'en as pas en haut. Non, en fait, t'étais en bas, mais bon. Moi je l'ai vu en haut. Putain, ça l'a pris, elle m'a piraté. Oh là là. Ça l'a pris. Des sacrés pirates. Ils ont travaillé avec Tipiak certainement. Ouais.
pense que si on met des balles incendiaires, ça fait des dégâts encore en plus. Ouais. Voilà. Les mecs au peupon qui arrivent. Oh, oh, oh. Du calme, du calme, du calme. Faut qu'on se calme, faut qu'on se calme. Bon, maintenant faut qu'on arrive à voir le médecin. Médecin sans frontières. Il est là-bas le médecin. Devant. Il est dead. Ouais. Il est dead. C'est Hornet qui. T'en as un autre sur la droite, le médecin. Ah, c'est pour ça qu'on a encore les. C'est d'avoir un fusil à. À quoi? Un snack. Ah, il y a une grenade là. Ah, il est presque mort, voilà, il est mort. Y'a pas d'autres? Ah. Ils sont plus que deux. T'as le but, le gros et le nommé. Aïe, aïe, aïe. Ah, t'as eu le gros? Non, le gros il est là-bas. Non, le gros il est encore là. Je t'ai laissé le nommer, vas-y, essaye de le finir si tu veux. C'est quoi? Nommer, c'est le jeune marqué Hornet. Ah, il est mort. Ouh, il a du. Aïe. Mettre des petites pépites, hein, quand même. Oh, quand même. Bon, je vous laisse. Si tu veux vraiment que le virtuose soit efficace, il faut que tu sois un peu plus près. Ouais, 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 ouais. Bah écoute, tu peux pas faire grand chose. Mets-lui un saignement si tu peux. Non, là j'ai brûlure. Oh, il est mort. Voilà. Alerte. Yeah, technologie SHD détectée. Synchronisation en cours. Voilà, voilà. T'es fini? Ouais. Alors maintenant, tu dois voir, tu as gagné, tu as gagné des sous. Leur analyse va prendre du temps. Des sous, mais il y a quelque chose. Ouais, des sous. Quelque chose de pas des clair. Thunes. Ouais, bon travail. Pas si beau que ça. On s'est quand même fait piquer de Tchernenko sous le nez. J'ai récupéré ah, ils ont pas du bon shit sans mer. En tout cas, pour le moment. Non. Il faut tout ce qu'il y a là-dedans. Je sais pas. Ah. Ils auraient pas pu y mettre dans ma cache, bordel de merde. Ah, c'est dans ton sac. Crédit EM 750. Okay. Les EM, je vais te montrer après c'est à quoi. Bon, attends, j'ai un qui veut. Alors, salut pour faire. EM, je pense, t'en es ouf. De quoi? Oui, bah, une personne qui s'est débrouillée là.
J'ai deux caches. Ah, mais j'ai plus de place. Ah, là. Bah écoute, on va y aller. On va aller au terminal. Parce qu'en fait, le mieux, c'est pas de faire du expert, c'est carrément faire de légendaire. Légendaire, tu rapportes 1500. Voire même 1800. Ouais. Ouais, tu rapportes 1800. Donc là, je suis revenu au terminal. Donc, je suis parti au terminal direct pour vider un peu et pour. Ouais, dans Janine. Non, Janine, non. Elle est pas ici, non, Janine. Janine, c'est pas ici. Ah, qu'est-ce que t'en sais ? Détruis nos terminales de Janine. Ah non, non, non. On va parler des barbus. Après, si tu te vides dans les barbus, c'est comme ça. Hein. Non. C'est comme tu veux, hein. Non, non. Où est-ce qu'il est pas, c'est pas mon rayon. De quoi ? C'est pas mon rayon. C'est pas mon rayon, les mecs. Ouais. Même si j'en ai, c'est pas mon rayon. Tant pis. Marquer un favori, marquer un rebut. Hop. Et marquer un rebut. Au pire, ça, je vais le vendre aussi. Rien à foutre. Ouais, faut le vendre. Ouais, faut, tu peux vendre. Voilà. Il n'a pas l'air de répondre. Et puis même, je suis en train de penser, en sachant que effectivement, il y a du monde qui arrive. Il faudra que je les amène. Je suis en Discord. Ouais. Bah oui, surtout si on va sur le Discord, tu pourras, t'auras plus le son du stream. Et pourquoi? Bah, si tu stream, tu pourras. Si on change le Discord, t'es plus sur le stream du Discord. Ouais, mais ça change rien, ça. Ah bon? Non, bah, le seul truc, c'est qu'après, tu vois, c'est plus contrôlé, on va dire, n'importe qui peut rentrer sur le Discord. Mais ça change rien. Que là, techniquement, toi, tu pourrais pas rentrer sur le channel où je suis, là. Bah, c'est pas ça. Toi-même. Bah, non. Voilà. C'est juste pour ça. Alors, alors il y a un mec qui s'appelle FD. DFD. Vu le profil qu'il a, c'est l'inventeur de Xbox. Il a aussi son PC. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il me raconte. C'est quoi qu'ils appellent mode de matériel performance ou mode de matériel arme à feu? C'est les modes. Alors, les armes à feu, c'est les modes que tu mets sur tes armes. Oui. Mais c'est du genre des silencieux, viseurs, tout ça. Ouais. Et ça te fait un truc aléatoire. C'est ça. Okay. Et si tu vas complètement en bas, tu veux même avoir un cache. Bah là, j'ai pas de cache dans celui-là. Ah, t'es où? Ah, t'es. Ouais, je suis juste là. Ah, t'es aux achats de schéma, d'accord. Ouais, je suis au schéma, donc je vais prendre parce que... En gros, là j'ai un schéma de mode de matériel d'arme à feu. Donc c'est quoi, c'est... Tu prends un schéma et ça te met un mode aléatoire ou un truc comme ça? Alors, en fait, c'est il retourne, il y a la tour, je m'en fous de ça, Allez. Oui, c'est mieux. Alors, mode de matériel arme à feu. Ouais, c'est un peu aléatoire, on va dire. C'est un peu aléatoire. Donc, je en prendrai. Ouais, t'es sur le schéma. Remonte en haut pour voir les armes que tu peux. Bah, après, j'ai paratactique M. Mais après, j'ai pas de. Bah, si, j'ai paratactique M249, S58 militaire, SA58 militaire. Ouais. Moi, il faudrait que tu aies. C'est les armes comme la M4 allégée, la PP19, Magnum. Magnum, il fait un 6 coups et la Super 90 SBS tactique.
Ça, c'est un. C'est un fusil à pompe. M870. J'ai une FAL. La M870, c'est un. Aussi, je crois. Viseur point rouge. Un holster. Ouais, ça, c'est pour la. Ça, c'est pour un. AK-47 classique. M60. Ouais, ça. M60, ouais. C'est... Oui, je crois que un M60, c'est un. Une mitrailleuse. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai. D'accord. Bon, bah, écoute. Bah, écoute, tu. De toute façon, tu ça va changer petits, dans là. 60 heures. Dans 100 heures, je crois. Mais c'est ah non, quoi, ça garde une partie. Il y a quand même une partie que ça garde. Ah bon? Ouais. Mais c'est vrai que, en fait, t'as une nouveauté qui arrive à chaque fois. Moi, ça fait longtemps que j'ai tout pris. Alors... Shimad. Voilà, je marquais, j'ai bientôt fini les récos. Tu peux aller dans le vocal. Alors, il s'est mis en vocal. Il s'est mis en vocal. Vocal. Mais en fait, c'est un truc que tu mets sur les. Sur... En fait, c'est pas aléatoire, en fait, le truc que tu me dis là. En fait, je, franchement, je me rappelle plus. En fait, c'est un truc que tu mets sur les vêtements. Ça augmente pas ta résistance, mais. Comment ça s'appelle ça augmente ta puissance. Ah d'armateur. Oui, les modes, oui. Ah, c'est moi, ouais, je pense que j'ai. C'est moi. Oui, c'était. T'as les performances et les armes. C'est pour augmenter les stats. C'est bizarre. Oui, excuse-moi, j'ai quoi de zapper ça. Du coup, qu'est-ce qu'il me dit? Parce que je sais pas, je sais pas. Donc, et tu veux faire quoi? J'ai bientôt fini les récos. Tu veux aller. Tu peux aller dans le vocal? Donc, on. Pff, attends. Je suis perdu, moi. Je suis perdu. Entre. Bah, c'est Nabo. Alors, les hebdos. Les hebdos, on a 30 tissus à faire, ça, on s'en fout. Les vétérans, ça, on s'en fout. Les missions, ça, il faut les faire. Dark Zone, ça on va pas le faire. On peut faire l'émission quotidienne, c'est-à-dire de faire l'appartement, le canyon, tout ça. On peut déjà faire ça. La mission quotidienne. La mission quotidienne, en fait, tu as mais, chaque mais, ça, j'ai quand même 60 heures. Je veux dire, mais. parce qu'en gros, je pensais que tu parlais de l'autre ou tu parlais ah, ouais. Alors, ça, sachant que. Ouais, ouais. Bah, en fait, oui, non, qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, je vais essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais c'est un pépon le 90 SBS. Ouais. Ouais, je l'ai dit, ouais, c'est un Super 90, c'est un pont. Bah, il est quand même moins bon que le Virtue. Ah, je serais bien tenté de faire une légendaire pour toi. Sinon, on gagnerait un peu plus de M. Je serais bien tenté de faire une légendaire. On fait des recommandations. Les recommandations, les cibles prioritaires, ça peut aussi gagner de l'expérience. On peut aussi faire ça, ouais. On va essayer des cibles, on va essayer des cibles. Ah bon, oh, c'est cool ça. Bon, faudrait que je lui enlève son chargeur. Je sais pas si... Non, elle a pas de chargeur. Bon, attends, je vais aller sur Discord. Oui. Je vais en vocal sur l'autre Discord, vocal, et puis on verra. Allez, je reviens. À de suite. Ouais. Tu me dis. Ah ouais. Bon, donc j'espère que vous allez bien sur le stream. Que tout se passe bien pour vous. Sois pas timide. Que vous êtes content ou pas. Ah, ça peut arriver de pas être content d'ailleurs. Hop, c'est vrai qu'on a fait des petits trucs tranquilles là depuis tout à l'heure. Big Alejandro. Il est pas très très intéressant en soi. Hop, on fait un peu de ménage.
Est-ce que je vais avoir besoin d'un peu de place? Après, on va ouvrir quelques petites caisses, je pense. J'espère que la musique est plaisante un petit peu, au moins. Hop, hey, voilà. Reviens okay. De séjour. Je vais voir le marchand. Ah, j'ai que 1300, chiotte. Heureux. Heureux. Donc ça va, la personne elle a elle est entre toi et moi. Entre 3 et 10 ans? Ah non, merde. Non, entre toi et moi. Entre 14 et 25? Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Entre 14 et 52, plutôt? Ouais, voilà, on va dire ça comme ça, ouais. Ok. Elle a 43. Bah, elle est plus vieille que toi, alors. Elle a 34, donc ça va, ouais. Ah oui, 34. Donc, là, ouais, ouais, 34. Donc ça va. Ah, c'est bon. Ouais, ouais, faut pas que ce soit des gamins. Bah, un peu quand même, parce que sinon tu joues pas aux jeux vidéo, mais bon. Mmh. Sois un minimum respectueux quand même et tout. Ouais. Ah, ouais, non, je pensais que t'as. De quoi? Non, je pensais que t'avais de. T'avais qui? J'ai cru voir quelqu'un. J'ai cru voir quelqu'un en général. Non, personne. Non, j'ai dû rêver. J'ai dû rêver. Non, parce qu'il me semblait avoir vu My name is Chocapic. Et c'est un des jeunes qui était avec nous. Enfin, c'est pour ça. Autant bras corps, lui, ça allait, mais autant. Je crois que Titi aussi, ça peut aller encore aller. Mais, voilà. C'est un peu jeune quand même, mais bon. Ouais, moi, bah, je trouve, après. Donc là, ça va. Donc, apparemment, il m'a dit, parce que je vais quand même lui dire ce qui m'a marqué. Donc, ah, ok, pourquoi pas. Je veux bien. Alors, j'ai demandé qu'on fasse les sites prioritaires, hebdo. Mm-hmm. Et donc, il m'a dit pourquoi pas. Donc, je finis ma mission et je te vois si tu veux. Ok. Et du coup, je l'invite sur ton stream. Bah, après, ça. Ouais, si tu veux. Ah, c'est toi qui vois. Hein. Ouais, non, c'est... Et ton Discord, c'est pas le mien. Hein. Oui, pas... non, mais sur Discord, je m'en fous. Tu peux l'inviter si tu veux. C'est pas le problème du Discord, moi, le principe. C'est sur le stream, en fait, tu vois. C'est que je veux pas non plus filtrer parce que voilà, mais parce que c'est pas bien. Mais pas non plus des gamins et tout ça. Voilà. Ça reste quand même un truc assez mature, quoi. Et tu vois ce que je veux dire. Ouais, pas de problème, pas de problème. Voilà, hop, je le prends sur son. Okay. C'est bien le Damacus ou pas? Ouais. Enfin, ouais, parce qu'en fait, tu peux le farmer et. Tu peux le farmer et. Tu peux récupérer de l'attaque dessus. Ah non, parce qu'en fait, je peux le crafter, c'est pour ça que je te demande. Ouais, tu peux le crafter, ouais, ouais, tu peux le crafter et. Oh. Parce qu'en gros, je peux en crafter un, mais il est de score 163. Donc c'est pas ouf le 163. Ah, bah, là, j'ai fait la demande en ami. Donc d'ici peu, il va pas tarder. Alors, je vais quand même lui dire qu'il se met en général vocal. Thank you.
Donc le mec s'appelle FD. Voilà, donc là j'ai fait la demande et tout. Donc moi, le temps qu'il arrive, on va... Donc tu as vu, l'événement mondial. Tu as vu quand tu rentres dans le magasin, tu as 5 paquets. Donc tu as un paquet de 3... Non, ouais, tu as un kit classé. Je crois que tu en as... Tu as un seul truc. Ouais, c'est un seul truc. Ouais. Ouais, c'est, en fait, c'est des vêtements classés. Donc, c'est pour ça que tu as le dossier qui correspond, c'est-à-dire classé. Et donc là, tu as le Firecrest. Le Firecrest, c'est... tu joues avec le feu, on va dire ça comme ça. L'étoile solitaire, ça joue avec le snipe. Le prédateur, c'est le... En fait, tu ça... ça... bien optimisé, en fait, quand tu fais des dégâts, tu enlèves le bouclier, admettons, d'une personne. Après, ouais. Tu peux attaquer un autre mob. Parce qu'en fait, tu as mis un saignement. Le saignement va faire pas mal de dégâts. Le réclameur, c'est le médecin. C'est celui qui régène tout le monde en cas d'être blessé, genre comme ça. Et après, tu as le cache supérieur 6, où là, ça te donne, deux objets aléatoires. Sachant que tu peux avoir deux classés. Dans les caches que tu as, au niveau des nommés, tu as un. Et quand tu fais le cache supérieur, tu en as deux. Donc c'est plus, pour moi, c'est plus intéressant de faire le cache supérieur que les caches réclameurs classés. Sauf si tu cherches évidemment quelque chose de spécial. Mais c'est aléatoire. Tu peux pas savoir lequel que tu vas avoir. La pièce que tu vas recevoir. En sachant aussi que... quand l'event sera fini, sur le tableau que tu vois là, tu as un classement et des niveaux. Et au fur et à mesure des niveaux que tu vas monter, au fur et à mesure, voilà, tu as un fichier famille. Les joueurs, bon, il n'y a personne. Ok, ça marche. Donc là, il n'y a personne qui s'est encore, qui a encore joué. Donc, je répète, les dossiers verts classés, il va te donner une pièce, mais avec de la tech. Et la cache et le cache jaune va te donner deux pièces. Cache jaune, mais moi j'en ai qu'un. Ah, mais le cache jaune, oui, qui est en bas là. Ouais, quand tu vas sur le magasin, quand tu cliques sur le cache supérieur à droite, tu as la référence qui te donne. Ok. Donc voilà. Et puis après, ici, tu peux avoir aussi du classé. Ici aussi, tu peux avoir du classé. Il faut tuer 2500 crédits Phoenix. Ce que moi j'ai, il va m'en prendre deux. Moi j'ai juste une caisse. Allez, on croise les doigts. Il va m'en prendre deux. Et je pense que je crois que les caisses que tu récupères sont pour toi. Tu peux pas les partager. Bon, moi j'ai juste une caisse. C'est pas terrible. J'avais juste une clé. Donc voilà. Voilà à peu près comment ça se passe exactement sur l'event qui est en cours. Donc, tiens, l'event, tu me fais penser à un truc. Je suis bête. Chose bête. Ouais, validé. Voilà. Alors, pour savoir exactement l'event, l'historique, il est ici. Voilà exactement ce que c'est l'event. Donc, c'est tout ce qu'on a lu depuis tout à l'heure en fait. Voilà, tout ça. Mais je savais qu'il y avait un truc comme ça, mais je savais pas où il était. Donc voilà, tu as toutes les informations concernant l'événement mondial. En plus, dans l'événement mondial, va sur ton interface où tu as dossier, gestion de groupe, carte, tout ça. Ouais. Tu vas dans dossier. Tu cliques dessus. Donc là, ouais. Forcément, tu as la première page, c'est les boucliers. Donc tu vas à côté, tu vas aller sur les recommandations. Ouais. Et dans les recommandations, tu vas marquer EM. Dans EM, tu vas me chercher l'EM. Allumé. Offensive, je crois, c'est l'offensive.
Ah bon, Onslaught, il veut dire offensive, je crois. J'ai pas d'offensive. Bah, c'est quel que tu as là. Ah bah si, c'est EM offensive, c'est ça. Ah c'est ça. EM offensive. Et tu vas voir, tu peux gagner des masques. Ok. Tu peux gagner des masques, et pour gagner des masques, tu dois faire des recommandations. Donc là c'est marqué, on doit faire exemple, terminer la centrale électrique de Warren Gate, la cabine de police, Broadway, consulat russe et signal volé. Bon, signal volé, ça il faut le faire pas tout seul, tu peux pas le faire tout seul. Tu peux gagner des fragments de clés. Si les masques, un masque qui t'intéresse, on peut essayer de faire le masque, il n'y a pas de souci. Je prends exemple le masque La Totale, où là tu dois brûler 200 personnes, faire signer 200 personnes et gazer 200 personnes. Ouais. En monde, niveau 5 et là. C'est beaucoup, mais quand tu fais comme nous, moi j'avais fait avec un groupe de personnes, on rushait. On appelle ça rusher, c'est qu'en fait on faisait les missions, on refaisait les missions, vraiment on faisait du légendaire. Pour te dire à quel point qu'on les voulait à tout prix. Là maintenant, j'ai le groupe où j'étais longtemps, c'est un peu dispersé parce qu'ils ont aussi des events sur d'autres jeux qui sont en cours. Comme là, j'ai deux personnes qui sont sur le Fallout 76, parce qu'ils attendaient depuis longtemps. Donc voilà, ils sont un peu dessus en ce moment. Et je verrai s'ils sont dans la journée ou dans la soirée ou dans la semaine présents là-dessus. Et puis voilà. Voilà. Et Mir, tu auras toujours ça dans chaque event. Tu as toujours un masque, enfin trois masques. Et après, tu as aussi des exécutions que tu veux. Si tu veux récupérer des exécutions, des exécutions à récupérer. Enfin, voilà. Il y a une grosse partie à faire. Et c'est ça jusqu'à mars. Alors après, la deuxième chose, c'est qu'après, en mars, en sachant qu'il y a Division 2 qui va sortir, moi, je n'ai pas encore l'info concernant le fait que est-ce que Division 1 va continuer ou est-ce que Division 1 va s'arrêter net. Ouais. Est-ce qu'ils vont arrêter de mettre des mises à jour? Est-ce qu'ils vont arrêter de faire les events? Là, je connais pas l'aboutissement. Donc il faudrait que j'essaie de me renseigner et puis voir de ce côté-là aussi. Parce que si effectivement, après le Division 2, Division 1 n'a plus vraiment d'intérêt à rester, ce serait dommage d'avoir payé un jeu et puis voilà. Pas bah, après tu peux toujours jouer. Hein, mais... Oui, ouais, tu peux toujours jouer, mais après il y aura... Pour faire les quêtes quotidiennes, quoi, c'est tout. Voilà. Hebdomadaire. Ça y sera toujours voilà. De toute façon. Voilà. Voilà, bon, écoute, le temps qu'il arrive, parce qu'on va pas trop tarder, hein, si tu veux qu'on bouge, on va bouger, hein, directement. On peut faire une petite un petit truc quotidien, là. Ah, je pense qu'il est ici. Ouais, il est ici, il est avec nous. Tu peux l'appeler si tu veux. Bah, allez, hop. Allô. Allô, allô. Ouais, salut, Jean. Salut, FD, comment tu vas? Bah, ça va bien. Ça va. Donc voilà, wow. Donc nous sommes en compagnie avec MMS Simulator qui fait, comme tu m'as marqué, on a un salon qui est marqué stream, qui fait du stream. Bah, tu fais du streaming en fait. Voilà, tout à fait. Donc, après, bah, MMS, je laisse parler, il n'y a pas de souci. Ouais, bah voilà, je suis en stream, mais pour l'instant, je suis sur des divisions, on joue un peu et puis on essaye de s'amuser. Voilà. Voilà, on essaye un peu de faire de l'event, donc on essaie déjà de. Donc j'ai à peu près parlé de ce qui était au terminal. Et puis là maintenant, on essaie de voir si on fait pas des sites prioritaires hebdo pour gagner un petit peu plus de crédit EM. Si ouais, vous voulez... faire pendant les EM, ce qui est le plus rentable, c'est les sites prioritaires, mais c'est qu'une fois par semaine. Hein. Donc plus trois qu'une fois sur la semaine. Ouais, parce que pendant, je voulais bien faire les gilets. Si tu veux vraiment fermer du crédit, il faut les faire du ciel pur avec une bonne équipe. Voilà. Sauf que même s'il a 60 heures de jeu, il faut qu'il arrive à faire un set complet. Donc là, il n'a pas de set complet, il n'a pas de set classé. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour lui. C'est compliqué et pour moi aussi. Parce que, dans tous les events, tu n'as pas tous les sets. Hein, voilà, donc il faut ça, j'essaie de. Voilà. Donc on va essayer de faire déjà Moi, je te conseille pas de faire ça pendant le M parce que c'est. Tu vois, hors EM, le mieux c'est d'aller faire de la résistance avec une bonne équipe et tu farmes les caches en fait.
mais moi malheureusement Mais hors EM, c'est un peu dommage de faire ça parce que tu vas passer un peu le délire de l'EM, quoi. Donc voilà. Tu feras pas les objectifs de EM et tu feras pas les. On peut déjà, si tu veux faire éventuellement. On peut lui faire gagner, si tu veux, un masque, déjà de lui faire un. Enfin, bah non, pas le masque, bah non, parce qu'il y en a un où tu dois faire le signal volé, je crois. Alors que celui-ci, il pourra pas l'avoir. Celui-là, s'il est pas stuffé, ouais, non, il faut une équipe stuffée pour Voilà, il faut. Bon, malheureusement, moi, mon équipe, elle n'est À pas moins qu'on ait avancée. trois bien stuffés et que lui il reste en arrière. À trois bien stuffés, ça passe encore, mais. Moi, je suis un cogneur. Cogneur. Et après. Bah pour le final de signal volé, il faut au moins deux. Bah après, ça dépend si tu veux le faire en légendaire ou en expert. Mais si tu veux le faire en légendaire, il faut au moins 3D3. Bon, au moins pour la dernière zone, il faut au moins Ouais, c'est ça. 3D3. Ouais, il faut les détruire, ouais. C'est ça. Ça, malheureusement. C'est pour ça que moi, Moins je vais. 2D3 et un qui est en compétence qui clope des boucliers. Ça passe pas toujours bien. Non. Là, on a fait une petite mission expert. Bon, bah. On a fait le consulat russe. Bon, j'ai quand même réussi à. On a quand même crevé deux fois, malheureusement. On a quand même réussi à. Enfin, crever et blessé après. On a quand même réussi à le faire. Mais voilà, c'est. Moi, j'ai encore vraiment du mal à comprendre le système entre les armes, tout ça. Même si je suis classé. Voilà, le MLO, c'est ouais, le MLO, c'est par balle en fait. À chaque fois que tu recherches ton arme, tu as une petite icône qui se met à côté. Oui, c'est Et ça. à côté des ennemis, tu as une icône à C'est côté de ça. leur barre de vie, C'est ça. c'est l'icône où ils sont vulnérables. Donc faut que tu aies la même pour pouvoir faire des dégâts, C'est sinon ils ça, vont ouais. C'est ça, ouais. Ah oui, c'est vrai, ça me rappelle. Ouais. Comme tu as dit, AFD, c'est qu'en fait, pour tuer un mec, il faut qu'il ait le même. Bon, tu as la goutte, c'est l'enseignement. Si le mec il a la goutte, c'est l'enseignement, tu peux l'avoir. Bah, écoute, qu'est-ce que tu peux me conseiller, AFD? Tu peux Voilà, on AFD? peut faire. Moi, j'étais en train d'avancer dans mes recommandations. Là. Bon, j'ai fait une bonne partie. Bon, celui-là, le LM, c'est un des plus simples. Hein. Celui qui est des plus rapides. Les deux derniers, là, c'était des plus rapides et les plus simples, on va dire. Après, je te dis, la plupart, en fait, si tu veux les faire rapidement, il faut les faire solo. Ce qu'il faut regarder, ce qu'ils demandent à côté. Je vais retourner sur l'onglet du LM. Vas-y. Vas-y. Comme là, je viens de finir les hémorragies, c'était infliger une hémorragie à 100 LMB. Ça, après, tu regardes à droite ce qu'il demande, récompense par niveau. Après, là, il ne demande rien en fait. Donc, tu peux le foutre en normal, au mode le plus facile, même si t'es stuff en classé ou quoi, tu t'en fous, tu le fous en normal. Ouais. Tu te fais la mob solo, au moins, tu as tous les kills et les mecs, tu les couches en 2 secondes et ça fait monter ton Ouais, truc. aussi, ouais. Parce que ça, si tu le fais en groupe, tout le monde il va te piquer tes kills et t'en auras 10 fois moins. Ouais, après c'est pareil, hein. J'ai un effet de brûlure à 100 nettoyeurs, j'ai fait ça sur Lexington juste avant. Après faut regarder ce qu'ils demandent à droite. Là, par contre, éliminer 15 ennemis avec un effet auquel ils sont résistants, faut être en niveau de monde 5, en difficulté difficile ou plus élevé, offensive sauvage ou offensive brutale. On peut toujours essayer de faire Terminer l'activité. Et avec un pistolet seulement, faut être en niveau de mode 5, en expert, pour regarder les fois. Tout ce qu'il voit on qui ne peut demande rien à côté, tu fous ça au minimum, et puis tu te fais ça solo, tu torches ça. ouais, ouais j'ai vu que beaucoup le faisaient en monde 3, je crois. Même en mode 5, si t'es stuff, après, ouais, tu peux pousser le truc encore plus loin. Mais même quand t'es stuff et classé, tu vas en rien qu'en normal, c'est bidon. Après, tu peux pousser le truc à te mettre en monde de niveau 1, ça sera encore plus simple. Ouais. Bah, je crois que les mecs, une balle, tu les tues. Ah ouais, mais après, ça c'est facile à dire. Est-ce que bon, en faisant les missions event, on peut déjà faire ça? Bah les sites prioritaires ouais bah, c'est un truc rapide pour avoir des crédits UEM. Mais écoute, on va faire ça, comme ça il pourra déjà commencer à acheter son premier cash. Ah tiens, en fait, MMS, dis-moi dans les caches qui sont proposés dans le magasin, est-ce qu'il y en a qui t'intéresse? C'est vrai que j'ai pas trop regardé, mais
Ah, moi je te conseille le plus, c'est réclameur. Si au moins tu veux essayer de te faire un bon kit, bah, pour moi j'ai. Après, bah, c'est ma façon de jouer. Hein, tout le monde. Ouais, c'est ta façon de jouer, y'a pas de problème. Moi perso, c'est cogneur optimisé PVE, D3 FNC et réclameur pour les missions en solo. Après, je sais pas si vous faites du PVP. Mais... Non, on fait pas de PVP. Non, non, je suis pas PVP. En solo, c'est... pour moi, c'est cogneur opti PVE, donc dégâts d'armure, dégâts élite. Après, c'est D3 FNC et réclameur, c'est les trois les plus utiles dans les missions pour moi. Voilà, c'est... Là, tu peux avoir le réclameur en ce moment. Donc, oui, voilà. Ouais. Là, bon, là, on a fait un expert, donc il a eu 750. Donc, au moins, c'est d'avoir 1500 pour moi qui voyait pas vrai, quoi. Après, ouais, les caches spécialement réclameurs, c'est 3000. Mais après, ouais, faut fermer du ciel clair. Parce que moi, les premiers jours de l'event, je ferme toutes les petites conneries qui font chier, en fait. Parce qu'après, sur chaque event, t'as acheté 15 caches, 30 caches, 40 caches, là. Et ça, je le fais en dernier. Mais moi, je fais tout ce qui fait un peu chier dès le début. Puis après, c'est juste du farm au ciel pur avec une bonne équipe. Et puis, c'est là que t'enchaînes le plus de crédits. Tu te fais 900 crédits en 5-10 minutes. Et puis, tu fais ça en boucle. 2 minutes, les gars, je pense que je vais appliquer 4. Je reviens. Je coupe le micro. Par contre, il y a mon hobby qui galère là, ça te charge hobby depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas moyen pour balancer ton pseudo. Hein. Tu pourras pas m'inviter si tu m'as pas sur. Enfin, sur hobby, c'est Uplay, hein. Je dis hobby, mais bon, c'est. Ouais, j'ai compris. Donc, je t'ai envoyé le mien, hein, B2X, je sais pas si toi t'arrives à le charger, moi il galère. Je sais pas où tu l'as envoyé, ah là. Non. Oh, ouais, excuse-moi, j'avais fait la passer. Ouais, j'ai fait un petit changement de pile entre deux là, ça a coupé. Ouais, je jouais la manette à Division en fait, parce qu'avant j'ai joué sur Xbox, j'ai joué 2 ans sur Xbox, après j'ai recommencé sur PC. Et vu que j'avais l'habitude de jouer à la manette, j'avais pas envie de me faire chier à configurer les touches, je suis resté à la manette sur PC. Ok. Bon, bah écoute, on fait quoi? Bah, j'essaie de t'inviter, s'il vous plaît, mais connexion en cours depuis 5 minutes, ça galère. Ah, ouais, ça peut arriver. Sinon, faut s'inviter par le chat du jeu, et... Je sais plus c'est quoi la commande. Ouais, je crois que c'est... attends. En fait, comment te dire... je couche même plus... toi, en fait, tu veux que je vienne combien sur ta session, si on veut s'inviter en groupe, faut qu'on soit dans la liste d'amis. Et bah alors, dans ce cas-là, je vais venir vite inviter. Alors, puisque maintenant, je vais être dans ma liste, je vais t'inviter. Moi, j'ai pas reçu d'invite ou de demande, donc je sais pas si tu veux. Tu m'as invité sur Discord, tu m'as pas invité sur Uplay. Je te dis que Uplay, je suis en connexion, je fais ajouter un ami là, connexion en cours depuis tout à l'heure là, il galère. Enfin, faut que je redémarre. Si je vais quitter, je vais redémarrer. Attends, je vais renvoyer parce que c'est quand même bizarre que ça n'a pas passé, ouais. Je l'avais déjà fait, attends, je vais le renvoyer, ça marche. Demande envoyer, je l'avais envoyé. FD2X. Je vais redémarrer Uplay carrément. Ok, ça marche. Ouais, ça arrive souvent, hein, Uplay. Hein. C'est pas une surprise, hein, je te rassure. Ça marche. Je vais refaire la demande dès que tu seras en ligne. Ok. Non, parce qu'en fait, voilà, on avait on était dans un groupe, et puis voilà, on était un peu avec des jeunes, et puis on a voulu un peu. On a voulu faire des missions, mais bon, on a fait un peu. On a suivi un peu ce qu'ils voulaient, parce qu'on a fait partie par. On est parti sur un truc, on est parti sur un autre truc. Donc, on a fait un peu tout et n'importe quoi. Donc... Moi, j'aime bien quand j'enchaîne. Moi, j'enchaîne, hein, je peux pas. Bah écoute, y a pas de soucis. Mon problème.
Fait. Ouais. Ah, t'as... je vois que t'as pas mal d'exo, ouais. T'as pas mal d'exo. Oh putain, je crois que ma manette, elle va faire chier là. À faire un rack. J'ai bien rechargé mes piles là, parce que elle va te surcouper. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais annuler la demande. Ah bah je me recouvre seulement sur UP. Donc voilà, tant que ça se lance. Voilà. Ok, ok. Okay. Bon, du coup, on fait quoi? On fait l'émission? Bon, bon sang, tant qu'on est là. Parmi tous les sets que tu as vus à peu près, est-ce que tu as un qui t'intéresse? Hein, MMS? Ouais, je pense que je vais partir sur du Sentinel, moi. Ça me parle. Sentinel, très bien. Donc le Sentinel. Je vais te dire ça. Il me semble que c'est un truc un peu sniper, tout ça, Sentinel. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, Sentinel, je vais t'envoyer. Je vais chercher la. Comme ça. Je vais t'envoyer la demande. Enfin, je vais t'envoyer la. Un truc. Alors, Sentinel. Bah, chaque M, j'ai essayé de faire toutes les recos, mais bah, le premier sur PC, le M Epidemic, le tout premier, je l'ai raté parce que j'avais pas encore acheté les jeux. Millennium. Le M Assault, ouais, c'est un des pires, le M Epidemic, c'est un des plus chiants. Là, je te dis, les deux dernières EM, c'est les plus simples à faire. Hein. Le premier, là, l'Epidemic, c'est. Bah, ouais, parce que, bah, ouais, t'avais le. L'Assault, je crois, l'Assault qui était pas mal. L'assaut, il m'aura juste le masque. J'ai trouvé personne pour réussir à faire. Il fallait faire Falcon Lost sans tomber, sans mourir. Ouais, c'est ça, ouais. Il y en a un qui faut vraiment. Faut pas te toucher. Faut pas te toucher. Je pense que j'avais réussi à le faire sur Xbox, mais monsieur, j'avais bien galéré. Sur PC, je trouvais pas. J'étais étonné d'ailleurs. J'ai acheté le jeu sur PC. Je n'ai encore fait plus sur PC que sur Xbox en 3 mois de temps, alors que sur Xbox, je l'avais depuis 2 ans. Ah oui, bah ça, ça arrive. Alors attends. En même temps, je suis en train de lui. Voilà, je suis en train de. Alors je vais t'envoyer ça, MMS, comme ça tu vas voir exactement ce que c'est le classique. J'étais là. Je l'envoie sur ton Discord, comme ça tu vois comment ça se passe. Je t'envoie le lien. Voilà. Comme ça tu vois à peu près ce qu'il faut. Ouais, c'est bah, les cibles hebdo, ouais. Bah, je les ai même fait solo il y a des moments. Bah, là, c'est vrai qu'avec l'événement, bah, quoi que c'est pas pris en compte, je crois. Enfin, t'as les balles, mais il n'y a pas de résistance sur les ennemis, je pense. Vraiment... Bah, on se fait ça, on se fait quand même les cibles prioritaires, histoire quand même de. Ouais, bah. De rouger, parce que là, on a. Après, même si on ferme des missions, genre si le pire ou quoi, tu te feras des crédits phoenix et t'as maintenant t'as les caches à 2400 crédits phoenix, t'as du classer dedans. Voilà, je t'ai refait la demande. Ah, je viens de redémarrer Uplay, c'est bon, j'en ai. Ok, ça marche. Ah bah voilà, parfait. Non, j'ai plus qu'à voir. Non, je vais t'appeler sur le... Ouais, le mieux que t'as à faire, c'est ça. Tu fermes des légendaires, tu gardes des crédits phoenix et... C'est pour ça que je veux lui faire des légendaires. Je veux lui faire des légendaires, mais... Là, c'est fait justement pour les classer, mais... Ouais, faut vraiment... Vraiment, faut... Et là, il y a quand même un légendaire, il faut que j'ai... Moi, j'ai des... Enfin, bon, malheureusement... Ils sont partis sur... Fallout 76, ils sont partis un peu là-dessus. Donc... Ah moi c'est pareil, je t'avoue, vu que j'essaie de faire toutes les recommandations, donc moi je fais pas que du légendaire, hein, tu sais, je joue en normal, mais ça je le fais solo. Comme là, bah, j'ai commencé ce matin, bon j'ai fait la moitié je pense, bah, c'est histoire d'avoir toutes les recommandations. Ouais. Donc c'est pour ça que s'il y a des moments, si après je quitte, est-ce que... Voilà, ça va, c'est le premier jour, attends, il reste 6 jours. Oui, parce qu'il y a lundi, hein. Il reste 6 jours. Ouais, il y a lundi, en tout cas, ouais. Les premières heures. Après ce soir, c'est, ouais, c'est... Enfin, le plus chiant, c'est qu'il faut acheter une recommandation. Il faut acheter 30 caches normales. Il faut acheter une cache spécifique à chaque kit. Il y en a 5. C'est ça, il y a pas mal de recommandations. Ouais. Donc, ouais, faut fermer après les crédits. Et pour fermer, je te dis, faut faire du ciel pur. Hein. Ouais, avant, on faisait du Lexington, mais si t'as une bonne équipe, le mieux c'est ciel pur en boucle. Mais après, ciel pur, si t'as pas de stuff, ça va être compliqué. Moi, j'en ai connu, ils ont fait Hammers. Légendaire Hammers, ils ont fait que ça.
Et Ouais, parce que ouais, c'était pas, tu vois, je connais, ouais, c'était pas, parce qu'avant il y avait une technique pour faire ma Hammer sans tuer les ennemis, bah ouais, beaucoup ils sautaient les étapes, en fait ils passaient en fait. Ouais, c'était, ouais, c'est pas les chiant. vagues, ils passaient les vagues pour arriver directement au boss Bah, ça marche encore si tu le fais tout seul, mais j'ai dû essayer de le faire en groupe, ça bug. bah, Après, c'est tout seul galère, en surtout si légendaire. après tu tombes sur des Tout personnes seul en difficile, ça passe qui en se vrai, mais lancent. tout seul en légendaire. Surtout difficile, surtout quand tu tombes sur des personnes qui se lancent à faire la Hammers et qui en fait n'ont pas n'ont pas été préparés pour ça, quoi. Moi j'ai chômé sur un groupe. Ah, c'est comme ce matin, hein. J'ai commencé le M, je suis allé, je vais commencer bien, je vais lancer direct signal volé. Encore, je n'ai pas lancé en légendaire, j'ai lancé en expert. Mais putain, on a dû se reprendre à... Les mecs, on a dû se reprendre à 10 fois avant de faire Ouf. le truc, quoi. Ouais. Putain, ça, c'est d'expert, les mecs. Bon, après, moi, je dis pas, les mecs, ils étaient pas full stack non plus. Non. Bah c'est ça, moi une fois je suis tombé sur un mec qui était level 28 Après, et il quand tu faisait. connais pas beaucoup la mission non plus. Alors, au début, c'était tout le monde pareil. Hein. Tu connais pas beaucoup la mission, t'as pas beaucoup de stuff. T'essaies de la Deux faire petites quand même. minutes, je reviens. Deux minutes, je reviens. Allez, bah écoute, le vous lancez vous lancez une mission et puis j'arrive. Y a pas de soucis. Allez, à de suite. Je reviens dans 2 minutes. Tac, tac. Mais bon, ça, les missions hebdomadaires, vas-y, enchaîne, même tout seul, ça se fait. Après, si tu as un coup de main pour les Ouais, faire, pour hein, l'instant, tu je fais un peu de les ménage. du. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai? Même pas, je sais pas si t'as fait ta playlist là. Bon, à la limite, on peut s'enchaîner, on fait tes hebdos, après on se fait la peau, on verra d'ici tout à l'heure. Ça, je l'avais déjà fait. Et ça, j'ai dû le faire aussi. La meilleure marchandise, c'est par ici. Ok. T'es encore en train de streamer pour info? Ouais. Mais t'as mis les micros ou t'as coupé les micros? Bah oui, tout, oui, et tout, oui. Pourquoi? Ah, tu m'enregistres. C'est pas bien ça. Oui et non, après si t'es pas d'accord, je vais avoir le replay, mais... Ça c'est pas comme si j'aidais un streamer de très grande renommée, hein. Peut-être à 3 Pékin qui passe dessus, Alors, quoi. c'est juste pour bah, former les gens quand tu stream qu'ils sont enregistrés. Ouais, c'est Pas vrai que j'ai enregistrer pas... même les micros, ou après tu peux choisir micro, sans micro. J'ai pas pensé... Ouais, après je peux couper les sons du Discord, mais... Voilà. Bon, Après, faut que je choisisse ça. c'est... Est-ce que je dis pas de conneries alors? Bon, on a pas dit de conneries. De toute façon, même avec Spencer, on dit beaucoup de conneries. On n'arrête pas de parler de Janine. Janine, c'est qui Janine? C'est un perso sur... comment ça s'appelle? Sur Portal Knight. Je sais pas si tu connais. Je dois vous parler, agent. Non, ça me dit rien. Ben en gros c'est un peu un Minecraft quand même bien plus joli que Minecraft en fait si tu veux. Si ça te parle mieux. Bah non, moi je joue pas à Minecraft On a non pas de plus à la nouvelles base. Re les gars. Ouais, c'est que j'ai laissé le truc avec les cubes. Ouais. Passez-moi voir plus tard. Ouais. Désolé, désolé, mais c'est petit, je Ouais, pas de dois soucis. m'arrêter là malheureusement. Ah. Oui, on a vrai. En tout cas, bon, ravi de t'avoir rencontré, FD, et puis il n'y a pas de souci, s'il y a besoin, j'irai t'aider ou tu viendras m'aider, et puis voilà. MMS, bah, écoute, je te remercie, même si on n'a fait qu'une mission,
Ouais, bon, moi, t'auras déjà vu pour comment ça marche. S'il peut t'aider en plus, un peu, petit peu plus, parce que bon, sur Division, bah, il n'y a pas de soucis. Ouais. Et puis voilà. Ah, tu peux lancer tes hebdos, hein. je les ai pas faites non plus, donc au moins ça sera fait. Ouais. Moi, si je peux les lancer aussi, si tu veux. Messieurs, vous faites bon après-midi, MMS, vous faites bon stream encore. Et ouais, puis, merci. Bah, peut-être à plus tard. Ouais, peut-être à plus. Allez, ciao, à plus. Vas-y, ouais. Salut. Comment qu'on se. Ouais, du coup, toi, j'étais pas dans sur Uplay, je crois. Et c'est bête que j'ai sur Uplay. Bah, sinon, je peux t'inviter, mais. Ouais, vas-y, je vais. Dis-moi ton pseudo, je vais voir si. Bah, c'est MM Simulator, c'est. Ouais, c'est vrai, j'ai pas un chargement infini. Un agent quitte votre équipe. Appelle le moins que. Un peu. MM Simulator. Tu sais que. Simulator, en anglais. MMS en majuscule et après le reste en minuscule. Eh, je voulais vous parler de quelque chose. Sinon, je peux t'inviter après si tu veux. C'est plus rapide. Par contre, je sais pas comment ça marche là-dessus. Mais... On n'avait aucun résultat trouvé. Attends. Tu m'as dit quoi? M, S, N en majuscule? Non, attends. Comment on invite déjà là-dessus? Putain, c'est abusé. Ça doit être par là, alors, non? Ah, là, voilà, ici. Comment... Attends, je vais te... Tiens, non, je t'ai envoyé une invite, là. Ah, non, pas encore. Tiens. Non, je t'ai envoyé une invitation, là. Ah, ok, ouais, je tapais MSN. Ouais, ça, c'est que c'est un nom un peu compliqué parce que ça date un peu. Bah, ça date un peu. Par rapport à certaines choses que j'ai fait avant. Donc voilà, mais bon. Ah, moi, c'est comme tout, j'ai trouvé mon pseudo. Moi, tout le monde dit qu'il est pourri, FD, ça te sort FDP. Je suis là, je crois que tu poses des... C'est vrai que c'est ce que j'allais sortir au début, mais bon. Étant en stream, j'ai vu ta main. Non, ça va, on me l'a sorti 51 fois. Hein. Et FDM, non, te l'a pas dit celui-là? Non. Non. Ah, ça veut dire quoi d'ailleurs? Bah, fils à ta mère. Ouais, ouais. Non, c'est trop violent ça, c'est ça. Ouais, c'est mieux que FDP déjà. Non, FD c'est mes initiales. Alors pourquoi j'explique ouais. À chaque fois, hein, mais bon, le mec. Bon, après, tu FD, peux mettre ce que tu veux. Moi aussi, M et M, c'est des initiales aussi. Le 2, c'est parce que c'était ma deuxième adresse email. Parce qu'avant, Microsoft, ils avaient pas tout réuni. Avant, t'avais une adresse mail, une adresse Xbox, une adresse Outlook, ouais. Tout ce qui est Microsoft. Et après, Microsoft, ils ont tout réuni en un seul compte. Donc du coup, j'ai gardé cette adresse-là pour tout revenir. Et le FD, c'est mes initiales, en fait. Et ouais. Le 2, c'est parce que à la base, c'était ma deuxième adresse mail. Et le 2X, c'était parce que c'était mon adresse Xbox, en fait. Parce qu'avant, je jouais sur Xbox, je voulais avoir un PC. Ouais. Après, je vais pas chercher à faire un pseudo, je me suis pas fait chier, quoi. Bah, moi non plus. Ben, c'est pas un pseudo très cherché, on va dire. Après, payer 10 balles pour changer de pseudo, non, ça va. J'en ai bien reçu, là, quoi. Donc tu me rejoins et on fait les quêtes ou je te rejoins?
Bah, comme tu veux. Je vais voir si je te vois dans la gestion du groupe. Amis en ligne, j'ai personne. Ubisoft. Moi, je peux. Moi, je vois que j'ai vu que t'étais en ligne, moi. Mais hop. Non, c'est pas. Allô. Eh, agent, j'ai quelque chose qui devrait vous intéresser. Ouais, ouais, je t'entends. Non, c'est... Ah, non, ouais, je vois pas dans les amis en ligne. Voilà. Attends, non, je peux. Hop. Donc, je vais te rejoindre alors. Je pense que ouais, je vais faire un petit direct par Ubisoft. Bah, attends, je vais faire rejoindre, là, voir si ça. Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai vu. Là, ok. Bah, je sais pas si c'est toi qui m'as rejoint ou moi qui t'ai rejoint, mais. Bah, c'est écrit. Non, apparemment, c'est moi. C'est écrit comme que j'avais rejoint. Normalement, c'est bon. Ah, ouais, c'est ça. Bon, bah, alors on se fait quoi? Tu préfères les cibles hebdo, je suppose. Parce que les autres, c'est la ouais, hebdomadaire. Ouais, ça rapporte que dalle. Bah, commence par la plus dure et puis on finira par les plus faciles. Bon, bah, on va prendre la tulipe. Et à plus, Spencer. Celui-là a vraiment mauvaise réputation. Alors faites attention à vous. On va se faire la tulipe. Tulipe. Où est-ce qu'il est Ah, il est là-bas au bout. Il est au nord-est. Derrière la Dark Zone. Je sais pas si tu l'avais ou pas. Ouais, c'est bon, je l'ai vu. Bah, j'ai regardé où t'étais en fait. Ah, ok. T'es à côté. Moi, je m'étais TP sur toi. Oh là là, il s'est TP sur moi. C'est pas possible ça. Bah, j'aurais fait l'enfoiré, j'aurais attendu que tu sois arrivé et puis je me suis retapé sur toi. Ah, moi, ouais, je m'étais pas là. Tu vois. Allez, fonce. On se taille. J'aime pas les deux comme ça. Attention, vous êtes sur le point de quitter la zone de sûreté. Alors, c'est là où. T'as ton GPS d'afficher sur la map au cas où. Là, prochaine rue à gauche et on y est. Tiens, prends-le le civil là, t'as des succès, enfin des recommandations. Moi, je les ai finis. Mais... Ouais. Bah, faut en faire, ouais, je sais pas combien. J'en ai fait pas mal, mais. Au début je l'avais fait presque toutes et puis après ça m'a un peu saoulé parce que ça rapporte que des vêtements ou presque. Emplacement marqué à proximité. Ouais, c'est juste pour les recommandations en fait. Ouais, ça fait que de la merde. Mais... Enfin quoi que quand t'as des... Attention, éléments hostiles à proximité. Maintenant t'as l'ennemi quotidienne là, à convertir des objets. Ça te file des petites merdes et après tu les démantèles, ça te fait des pièces à voir. Ça t'évite de retrouver un rat de... Ah mais ouais, mais tu parles des... Quand tu veux... Ouais, pour les missions quotidiennes. Quand tu veux convertir des objets qui te manquent des éléments. Tellement t'as tout cramé. Oh là là, ça te file de la merde. Hein. T'as envie d'avoir des pièces bleues ou des violets. Eh mais y'en a... Ah, il me colle, merde. J'ai même pas vu me coller ce con. Hostile en approche. Puis si on balise, elle est pas automatique. Ah, faut maintenir. Ah. Ouais, ce que je disais, appuie sur. Ah, elle est pas en automatique, faut appuyer sur. Ah, d'accord, non, mais. Merci. Okay.
nouveaux oui. éléments hostiles en approche. Mais il y en a encore derrière. Aïe, merde. Ah, il y a des rouges qui se prennent derrière en même temps. Là, je te repasse la balise à pitch. Clapton il au cas où sinon ouais. Tu vas te faire passer Ah merde, ça c'est le bot. La cible stratégique a été éliminée. Ah bon? Trop fait le bourrin, je me suis retrouvé encerclé par les trois. C'est quoi que t'as en secondaire? C'est l'arrêt en secondaire que t'as. De quoi? Enfin, du pépon? Tes compétences secondaires. Salut Metroid. Ouais, mais ça c'est le proco, il est un peu fatigué mon proco. Ouais, il est un peu là-dessus en ce moment. Là j'ai un putain de dégueulasse angle de merde de tir là. Oh. Aïe. Celle derrière moi c'est... Ouais c'est pas grave. Ouais j'ai à peu près trop la confiance et je suis rentré dans le top comme un ouf. C'est en gros le truc c'est que ce que j'ai essayé de faire c'est de me mettre à un autre endroit et j'avais pas vu mais il y avait une tourelle de merde là qui était à cet endroit là. Ben juste derrière. Ouais, et donc elle m'a tiré pendant que j'étais à couvert. Ça ne se reproduira pas, chef. Échec de la mission. Mais pourquoi on est revenu ici? Ah, mais faut reprendre la mission. Faut que tu relances. Ouais, faut que tu relances. Ah, je peux lancer si tu veux, j'ai des points. Si t'as assez de points, si t'as assez d'intel pour lancer, je peux relancer. Si t'as pas assez d'intel pour lancer, je peux relancer, c'est pas un problème.
C'est quoi, c'est les trucs d'aigle, non? Ça. La sécurisation. Oh, les intel de cible, ce que t'as besoin pour lancer les missions. Non, c'est l'hebdo qu'il faut que je regarde. J'ai aucune cible à vous proposer pour l'instant. Non, mais le truc, c'est que tu vois, en gros, c'est pas le jeu en lui-même qui bug. C'est le stream. C'est le stream qui bug, Metroid. Metroid, c'est un jeu Nintendo, ça. Parle de Metroid. Non, mais c'est le nom d'un. Après, ouais, stream, j'en fais pas, donc je sais pas, c'est peut-être ton logiciel pour stream. Ouais, je suis pas mais après, stream. Ils l'utilisent pas mal, hein, quand même. J'utilise quand même 16% de mon proco, mais. Mon stream. Très bien. Là, j'en ai lancé un autre. Où est-ce qu'il est? Maintenant. Hey, agent, il faudrait que vous. Il est au sud. Au sud, à l'ouest, je veux dire. Par contre, je connaissais OBS, je connaissais. En gros, c'est un dérivé d'OBS en fait. Non, il y a YouTube qui fait ses streams. Bah non, c'est à. Non, Windows, tu passes par OBS en fait. T'es obligé de passer par un truc de stream comme OBS ou XSplit ou des trucs comme ça. Parce que maintenant la plateforme Windows, Microsoft, Xbox, ils ont leur propre truc de Steam. T'as juste qu'à appuyer sur une touche pour lancer un stream ou un enregistrement. Je vais peut-être essayer de réduire un petit peu la qualité, mais ça va peut-être jouer quand même un peu. La galère à chaque fois. Ah, moi j'ai pas une coude ouf, hein. Je suis encore en ADSL à 10 mégas donc pour streamer c'est bon. Je voulais me faire du stream aussi, mais avec ma co à 2 balles, ça lag dans tous les sens, c'est mort. Même sur Xbox là, avant on jouait sur Xbox, avec 10 mégas de coude. Voilà. Donc on me dit si ça lag encore. Moi ça lag pas, hein. Moi j'ai pas de lag perso. Normalement ça devrait être bon. Mais de toute façon, je sais qu'il faut que je change mon proco, il est trop vieux. Quoi, tu joues avec quoi? Ah, je vais pas un gros proco non plus, hein. Je vais partir sur un i5 et. Moi, au final, je suis sur un i3. i7 4490, moi j'ai un i7. J'ai un i7. i7, j'ai pas compris. De quoi? J'ai compris i7, mais ça a coupé. i7 4490. Ouais, c'est une ancienne génération, voilà. T'es en quad-core quand même. Ouais. Je suis sur un i3 6100, ouais, c'est la génération Skylake. T'as des générations plus récentes déjà. Mais tu streams pas en plus, moi le stream déjà il me prend 13% de mon proco. En plus. Donc, quand tu vois que maintenant les i3 ils ont 4 coeurs maintenant, ils valent les i5 pour cette génération. Ouais, le truc c'est que ça coûte hyper cher. Moi ce que j'aurais aimé vraiment au top, ça aurait été vraiment un i7, un i9 ou un truc comme ça. Ouais, le i9 ils viennent de sortir à i9 t'en as pour 800 boules quoi. Ouais, non, mais ils ont craqué en ce moment. Il y a même Nvidia, Intel et Nvidia, ils ont craqué là sur les prix là. Mais parce t'as vu leur carte graphique là? Ils sortent sur leur carte graphique. La 2080. Mais après, c'est 1000 balles, c'est les alentours. Hein. Avant la 1080, quand elle est sortie, 1000 balles aussi. La tu prends un Pro Intel plus une carte graphique Nvidia, t'en as rien que pour 2000 balles les deux pièces. Quoi. Ben mon PC en gros il vaut plus de 2000 balles. Il vaut plus de 2000 balles. Ah, c'est ça, j'ai attendu les soldes pour acheter le mien. À la base il devait avoir un i5 dedans. De moyen, je suis resté sur un i3. Bah, je m'en plains pas parce qu'il y a pas mal de jeux récents, je fais bien les temps. Là, je mais sais là, pas si c'est... Ah, moi j'avais pas de lag tout à l'heure, hein. C'est juste moi qui avais fait trop le bourrin. Non, mais après, moi j'ai pas de lag non plus, c'est sur le stream qu'il y a des lags. Parce que mon proco il a du mal à faire le jeu et encoder le truc pour l'envoyer sur Twitch ou sur YouTube. Ah, il y en a 3-4 qui arrivent derrière. Ah, ça, je regarde pas en même temps. Non. Oh. Je sais pas qui est sûr. Donc, normalement,
ça devrait être bon, mais c'est que de la théorie. Wow, 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 wow. Aïe, j'ai mal. Merci. Et toi, dégage de derrière moi. Attention, élément hostile en approche. Ah, j'ai plus de petits besoins. Ouais, ce qui me gave le plus sur PC, c'est que ouais, là il sort du matos de fou, mais bon, au final t'as toujours le même problème. Bah, le problème il vient pas de la puissance, il vient surtout de l'optimisation des logiciels. Ouais. Quand tu vois des jeux qui tournent sur Xbox, quand tu as la puissance du. Ouais, mais en règle générale, c'est quand même bien plus joli sur PC. Faut pas. Y a pas. Ah oui, j'avoue. Fais chier, t'es passé juste devant au moment où je tirais. On entend, sinon je suis trop sûr. On tourne un bus. C'est vrai que ça fait du bien d'avoir des armes un peu améliorées. Hein. En plus de dégâts. Hein. Il y a du people qui arrive derrière encore. Alerte, élément hostile blindé arrêté. Aïe, aïe, ah merde. Merci. Oh merde, j'ai plus de trousse de soins. Il fait chier ce soigneur de merde là, ce médecin. Ouais, c'est le dernier. Ah, moi, c'est mon petit loot. Il est en haut, le médecin. Non, il est redescendu. Il a juste posé sa valise en bas, je veux dire. C'était lui le boss? Ah. Bah, il y en a plusieurs, mais il y en a qu'un. Non, mais c'était celui de la carte que je préfère, c'était ce que je voulais dire par là. Bon, bah là, on peut retourner là-bas. On peut faire un petit tour de tout ce qui traîne. Vas-y, moi aussi, j'ai déjà ramassé. J'ai ramassé la ferme. Ouh, j'ai un truc en code là, un viseur, je sais pas trop ce que c'était. Mais... Sachant que là c'était la plus dure, les autres ça va être de plus en plus simple. Bah y'a intérêt. Bah ça y est, t'as préparé le sabbat ou pas encore? Pour Noël. Bah là ouais, tu relances ou je relance? Parce que tu veux. T'as assez d'intel pour lancer. Ouais non, mais je lance. Je suis riche. Peut-être pas non plus, je suis peut-être pas riche. Sinon, je suis loin de dire. Eh hey, agent, il faudrait que vous retrouviez Kekish, le nouveau auprès du terminal. Faut retourner à la base d'opération ouais. Chaque fois pour commencer le truc. Ouais. Hey, agent, il faudrait que vous retrouviez Kekish, le nouveau auprès du terminal. Ouais, pourquoi je peux avoir un TP sur toi? Ah, j'ai été en TP peut-être quand tu l'as lancé là. Et c'était maintenant, hein, je dois pouvoir.
Bah, je sais pas, j'ai même plus de... Je suis au terminal là. Moi je peux pas. Faut au terminal la base. Ah, mais faut peut-être que je quitte la zone, non? Ouais, ça te dit quoi quand tu veux TP? Bah, il marque même pas le TP, il marque rien. Donc, j'ai oublié de la sortie. Parce que si il peut que t'as un ennemi qui spawn à côté TP. Ah, peut-être parce que j'étais en. Eh, agent, il faudrait que vous retrouviez. Ouais, c'était ça, je devais avoir un ennemi qui était un peu trop près de moi et ça a pas dû lui plaire. Ah, putain, oh, je dirais que dans un peu plus d'un mois, c'est Noël. Oh, ouais, je suis en beuverie, tout ça. Les relevés indiquent que cette zone est sûre. Où est-ce qu'ils m'ont foutu celle-là? What? Oh, j'ai lancé. En cours. Ah, mais t'en as déjà lancé une? Bah, j'ai lancé la suivante. Ah, okay, donc, j'étais déjà là-bas. Hein, du coup, j'ai lancé. Moi, ouais, ça compte pour les deux. Hein. Non, mais je sais pas. Elle est où? Bah, ah, elle est juste à côté, ok. Ah, bah, putain, en fait, c'est là où on était. À droite à gauche, mais ouais, il y a à côté quoi. Est-ce que ça lag moins maintenant? Je pense que. Attention, vous quittez la zone de sûreté. Moins en tout cas sur le stream. Putain, il te l'a dit que maintenant que t'es sur le point de quitter la zone de sûreté. Oh, parce que t'as fait un TP rapide ça. Enfin, j'ai fait un TP rapide. Ah, ok. Je me suis TP sur l'hôpital. Ça sert à rien. Où qu'on aille, c'est la merde. Putain, il y a beaucoup de chinois là. On a besoin de vous. N'oubliez pas. C'est un Chinatown ou quoi? Je sais pas. Ouais, de toute façon, il y a plus. C'est pas partout maintenant. Sur le chez toi, de quoi? Emplacement marqué à proximité. Ouais, t'as plus d'étrangers que de français, ça me suffit. Attention, élément hostile à proximité. Sur le point là. Ah, oh, en fait, ouais. Parce que t'es sur le point, je le vois plus. En fait. Je suis à chercher le point, je le vois plus. Moi, je vais me taper sur toi. Ah merde, j'ai oublié de recharger mes. Ah, ok. Là, c'est sécurisé une zone. Ah. C'est là. Oh, lance-grenade. Fais mal le lance-grenade là. Ah, lance-grenade encore. Attends, c'est lance-grenade là. Merci. Aïe. Mais merde, c'est pas possible ça. On y recule. Parce que on va. Fais gaffe, il y a une grenade d'à côté de toi là, mais je pense que ça devrait être bon. Merci, grenade. Merci. Ah putain, c'est. Oh, c'est pas possible. Il y a une colle là avec la grenade. Allez, attends. On va à la 5 à la suite là mec, il est cheaté. Mais il y en a deux hein, il y a deux avec le lance-grenade je crois, un ou deux. Ils sont morts alors là. Ah
Ouais, bon durant. Le Père Noël. Attention, nouveaux éléments hostiles en approche. En plus, faut attendre 7 minutes là. Hey, mais oh, faut tuer les boss avant les 7 minutes. Ah ouais, en gros, faut sécuriser le... Si on nique pas le boss avant les 7 minutes, ça fait un truc. Ça récupère pas. Merci. Lance-grenade là, c'est bon, merde. Putain, lance-grenade de mes couilles. Ce serait bien, ce serait d'avoir accès à un petit gun en fait. Quand t'es dans les vapes comme ça. Merci. Mec, il va t'en rentrer encore. De quoi? Qui sont... T'as le LMV qui est là, en jaune. Attention. Pas qu'il se pointe, les mecs qui se battent entre eux. Ils se battent entre eux pendant qu'on est en train de... Merde, c'est pas ce que je voulais. Putain, je me suis trompé de touche. Attention, élément hostile en approche. Hostile. Là, il y a le boss qui arrive. Alerte, élément hostile blindé activé. Ah, je sais pas pourquoi je me fais gangbanger comme ça là. Oh, il y a du goût là. Enfin, putain. Ah, merci. Pas nous lâcher, et ben t'as qu'à arrêter de les tenir. Bon, bah faut retourner encore là-bas. Quelle merde. Eh agent, il faudrait que vous retrouviez Kekish. Vous êtes sûr?
Voilà, 110 sur 120. Merci d'avoir je vais faire le de la vente. J'ai rien à vous proposer pour l'instant. Non, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup des Intel, il m'en reste 41. Je suis conscient d'avoir. Moi je vais les lancer si tu veux. Bah, je suis full là. Ah bon? Je peux encore en lancer un, voire deux, mais. Ah, parce que je l'ai fait jamais. Hors EM, en fait, ces trucs-là, je les fais seulement quand il y a des EM. Sinon, c'est un... les rues sont bien je l'ai fait parce qu'on gagne des crédits EM. C'est pour ça que ça remonte entre les deux. Je vois 359 là. Bah alors, où est-ce qu'il est celui-là? Il est vers la... le truc de... au nord-est. Putain, celui-là il était rude le dernier. Je suis tombé comme une mouche plusieurs fois. Nord, c'est là-bas. Attention, vous êtes sur le point de... bah non, après... sont de moins en moins difficiles, mais après, ouais, ça dépend les zones. Ah bah. Et tu jouais avec quoi, toi? Je t'ai même pas demandé en fait. De quoi? En équipement? Tu jouais avec quoi, toi? Ouais, en équipement. Stuff, j'ai un pépon, un virtuose. Et en sniper, je sais même plus ce que j'ai. J'ai un. Un heal. Ta tenue surtout. Ah, en tenue. Comme... après, je suis juste là, j'ai commencé à peine. J'ai du sentinelle. Et je pense pas que c'est celui qui tanque le plus en plus. Bon. Ah, sentinelle, faut pas que tu fasses du corps à corps, faut viser la tête. T'as pas le fusil de combat urbain, hein, corps à corps, tu l'as pas. De quoi? C'est une arme en sentinelle, c'est le fusil de combat urbain. C'est une arme exotique, une arme rouge. Bah j'en ai... si j'en ai pas. À j'ai... Sentinelle, faut que tu joues avec des armes semi-automatiques pour mettre les marqueurs. J'ai du Warlord, j'ai gros port gourmand. Medved. Mais après c'est des armes qui sont pas très puissantes. Big Alejandro. Si tu joues, si tu joues Sentinelle, c'est des armes semi-automatiques. Donc faut que tu joues avec des armes coup par coup pour mettre les marqueurs dans la tête des gens. Ouais. Bah après j'ai mon sniper par contre, le heal. Le pompe c'est surtout quand justement j'arrive sur du corps à corps et tout. Ou que t'as des gens qui... ouais, c'est que tes armes... tout c'est que tes armes ils correspondent pas vraiment ah bon. À ton équipement en fait. Ah, Sentinelle, c'est fait pour jouer à distance au snipe ou aux armes automatiques, c'est que soit un bah après, sniper... sinon j'ai le... bah après, c'est pas un coup par coup, mais j'ai le... le Warlord. Celui-là. Ah non, ouais, c'est un fusil de sous, ça un aussi. Coup par coup. Si je vois encore un cadavre... ah, ça fait que tu mets pas les marqueurs avec... Sentinelle, c'est pour les marqueurs, en fait. Mais les marqueurs, tu les mets... ouais. Mais après, c'est le pompe, j'ai surtout pris quand c'est assez proche, quoi. Quand on fait du corps à corps. Même si je suis pas censé en faire aussi. Élément hostile à proximité. En fait, Sentinelle, ça met des marqueurs. Quand tu joues avec des armes semi-automatiques, ça met des marqueurs dans la tête des gens. Faut que tu vives face deadshot. Et cela rajoute des marqueurs qui rajoutent un bonus de dégâts. Mais faut jouer avec des armes semi-automatiques. Ouh, à la limite, c'est le fusil de combo urbain. C'est... ils arrivent aussi par derrière. Tu joues avec des armes automatiques en fait. Mais faut des armes semi-automatiques. Bah, c'est pas une automatique. Par contre, si tu les pas.
Bah, la Warlord aussi, c'est un fusil d'assaut. Ah oui, non, enfin, pas de la Warlord, mais du Heal, je crois. Et si tu joues avec le Heal, c'est celui avec, avec lequel je joue le plus, on va dire. Je suis plus au sniper ou autre chose comme ça qu'à autre chose. Après je t'avoue, ouais, sentinelle pour rusher, tu rushes pas avec le sentinelle à la base. À la base, ouais, c'est ça. Ah, je suis pas fan, bah ouais, il y a pas mal de sentinelles, mais je suis plus proche donc. Élément hostile en approche. Bon, faut mettre pas mal de DPS, un peu moins de vie. Ouais, voilà, comme tu viens de faire. Que des shots. Après, t'as combien de pièces en sentinelle? 3, je crois. Faut que tu regardes par rapport au bonus. Oui, les pièces. Bon, après, ce qui est bien, c'est que le Class 3, il y a plus de points en armes à feu, résistance, composants électroniques que le set normal, donc c'est toujours bien de le prendre parce que t'as plus de points, hein, bah, faut l'optimiser. Mais... Si tu peux gratter déjà des points d'armes à feu, de résistance déjà là-dessus. Un autre personnage, il est pas optimisé. De quoi? Sentinelle, j'en ai commencé un, mais c'est sur un autre personnage. C'est pas sur celui-là. Oui, Et il est pas optimisé encore. Mais je suis à la M44 et au fusil de convoi urbain. Ouais. Non, qui tire coup par coup. Et à côté de ça, tu sors un bon sniper comme les M40. Ton proche, tu les fais au fusil de combat urbain, mais faut faire plus de headshots. Ça te permet de marquer les bonus de headshots plus rapidement. Ok. Après, c'est l'exotique. Bah, je sais pas, si tu l'as jamais eu, tu vas le looter souvent. De quoi? Le fusil de combat urbain, c'est une arme exotique. Mais les armes exotiques, pour les avoir, faut faire les missions. Et après, faire les missions légendaires, t'en auras plein. Après, tu peux les looter, mais après, faut les avoir dans les bonnes compétences. Élément hostile en approche. Les armes, tu peux les looter, mais si t'as que des compétences de merde dessus. Ouais, qu'il y a des gros carrés. Combat urbain, tu le prends avec Brutal et puis. Bah, Brutal obligé, hein, tu joues Snipe et. Brutal et. Bah, t'as préparé ou. Oh, ouais, je vais me faire toucher la blague.
Voilà, je pense qu'on peut retourner au point de départ. Terminal. On est toujours là. Agent, il faudrait que vous... Je pense que je vais vendre 2-3 trucs là, que j'en trop. J'ai 4 heures. Oh. Vous êtes sur le point d'entrer dans une zone de sûreté. Hey, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Le meilleur deal de toute la ville. Merde, quel con. Tu cherches un truc? Je l'ai. Accepter mission, Tsukis. Oh bah, Tsukis qui m'a invité là. Et un client satisfait. Vous voulez une bonne nouvelle? Skit Tsukis. Bah, j'ai envie de dire, je pense. Je l'aurais bien invité. Ouais. T'es déjà parti? Ouais, je suis sur la mission. Ok, d'accord. Attends, j'arrive. Okay.
Élément hostile en approche. Là, ces missions-là, je sais pas si t'as réussi à avoir quelque chose d'intéressant depuis tout à l'heure, mais ces missions-là, ça va être dur pour avoir du classé. Bah, t'as une chance de les looter non, sur les boss, mais... Ouais, c'est... Après, j'en ai des classés. Il faudrait que vous retrouviez. J'en ai des vêtements classés, mais... Le problème, c'est que faut que je les up, quoi. Elles sont toutes pourries. Ah ça, ouais, c'est la tech. Bah, la tech, je sais pas si t'as fait gaffe que tous les jours, t'avais les missions quotidiennes. Qui te rapportait 25 points de tech. Après, je sais pas, t'as le season pass ou... T'as fait... Je sais pas si t'as le season. J'ai la version... je sais plus ce que j'ai. J'ai pas la... Je crois pas que j'ai la plus grosse version, mais j'ai la deuxième version, celle qui est en dessous, je crois. Parce que si t'as au moins le season pass, tous les 15 jours t'as un largage de ravitaillement sur la map, là tu te fais 100 tech dedans, donc ça vaut je crois d'ailleurs tout ce, qui, tout ce qui me manque dans le jeu, oui, je peux avoir le season pass. Parce que tout ce qui me manque c'est les... Comment ça s'appelle? Les trucs esthétiques, je crois. Ouais, esthétique, ça c'est pas... Tant que t'as le season pass, tu regardes, hein, t'as les largages de ravitaillement. Pas en DZ, je parle, hein, mais dans Manhattan. Ouais, j'en ai des largages. Bah, ça, faut aller chercher, t'as 100 tech dedans. Et tous les jours, tu regardes tes objectifs quotidiens, t'as objectifs quotidiens, fabrication, objectifs quotidiens DZ, machin, tu te fais 25 tech. Et après sinon c'est faire de la légendaire, t'as les caches exotiques une fois par semaine. Ou les boucliers, je sais pas si t'as fait tes boucliers. Je pense pas. Bah c'est 500 tech, plus du classé, plus de l'exo. Donc si tu veux péter tes trucs, c'est ce qu'il faut faire en premier quoi. Ouais. Je pense que moi dans 20 minutes à peu près je vais m'arrêter. Vingtaine de minutes. Donc là je pense qu'on va encore faire un ou deux à peu près, non? Ouais, 20 minutes là on va les finir. Hein. Il en reste 4 et c'est lui plus simple. Ah ouais, il en reste que 4. Non, bah, si on peut les finir, c'est tant mieux. Eh agent, il faudrait que vous retrouviez. Enfin là c'est le M, à ta place je profiterai de le M et puis tout le reste je le ferai après quoi. Non mais c'est juste à côté. Ça dure qu'une semaine le M. Et pendant qu'ils font pas de M, ben là tu fais le reste quoi. Faites attention à vous surtout. Ouais, pour être gagné, quand même.
Bah, niveau crédit UM, t'as... je sais pas combien je suis là, je vais regarder d'ailleurs. Non, je crois que j'ai ouvert mes caisses, non. Non, je l'ai tout ouvert. Les caches UM. Les crédits UM, c'est les crédits violets que tu gagnes, justement, pendant que tu fais. Parce que quand, les missions que tu fais, là, prioritaire, tu gagnes des crédits UM. Parce que je c'est. À 4500, je crois. Parce que hors événement, tu gagnes pas de crédit UM pendant ces missions-là, c'est pour ça que je les fais jamais là-bas. Ouais. Donc là, justement, ces missions-là, pendant l'âme, ils te permettent de gagner des crédits rapidement. Hors EM, ça rien de les faire, hein, je t'avoue. Mais. Bah là, regarde ce que tu peux acheter en cash EM. Sinon. Après, faut. Après, c'était pas trop bot. Si t'as un minimum de stuff sans être trop level, tu peux essayer de fermer Lexington. Ou quand de Woodson. Bah, Woodson ou Lexington, c'est les deux plus rapides. Après, si tu connais bien la mission ciel pur et que t'as le stuff qu'il faut, avec la bonne équipe, faut faire ciel pur en boucle. Ce ciel pur, un des plus importants, c'est ce qu'il donne en ce moment. Donc, si tu peux réussir à te faire un stuff réclameur là, sur cet event, là, vu qu'il le donne, hein, le matos. Après, si tu arrives à te faire ton stuff réclameur, là, après, tu pourras fermer du ciel pur. Hein. Ciel pur, faut au moins deux réclameurs pour que ce soit. Que c'est une mission rush, tout est super le sang. Hein, donc, Après que ce soit. Si t'arrives à te faire un stuff réclameur là, sur cette plan, tu pourras faire mes ciel pur. Il faut. Que ça soit. Event, crédit UM en plus, ou hors event, t'auras les crédits Phoenix. Les ciels purs, il faut au moins deux réclameurs bien se fait dans l'équipe pour que tu la sors rapidement. En fait, ciel pur, c'est rush. Faut rusher à mort en ayant la blinde de soin derrière. Tout joue sur le soin quand, sur cette mission. Ouais, je sais pas si tu l'as déjà fait hein, cette mission là, du fait que tu débutes, mais après on peut vraiment se. Ah ouais, j'ai fait oublier toutes les corps en fait. Mais si tu restes là, je te conseille de. Tu as du réclameur, c'est. T'as pas du tout de stuff OP là, essaie de te faire au moins le stuff réclameur. Donc classé là, tu te fais le stuff réclameur en full classé, bien optimisé là, déjà ça, ça va bien te. Ça va bien te monter pour certaines. Ah, surtout pour le farm en plus. Parce que le réclameur il sert pas toujours, mais là pour le farm, le réclameur il sert vraiment. Oh bon, ça c'est des bugs hein, encore dans le jeu. Il y a des moments les mecs ils sortent même pas, ils restent coincés derrière les murs. Il y
peut-être pas la bonne place. Ouais, bref. Quand tu connais les missions. Oui, quasiment. C'est vrai qu'il y a des moments, les mecs, ils restent bloqués derrière des portes. Ouais, ça dépend pour les missions. Ouais, tu peux les connaître encore. Ça arrive souvent sur Warren Gate. Le mec qui a été là. Mais chiotte, merde. Merci. Tu fais ton fer de PVP, c'est un cogneur optimisé, optimisé PVP. Je sais pas ce que t'as avec ton micro, mais des fois c'est pas la fin. Élément hostile en approche. Ouais, ça, con, bon, en fait, Alerte, hostile blindé. Tu disais quoi, j'ai pas compris, je t'ai demandé pas après tout. Sur la fin, en fait, quand tu parles, souvent ça coupe. Mais putain, mais c'est pas possible. Donc c'est fait que j'ai pas compris la fin de ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais, je te dis, fais du PVE. Tu fais pas de PVP. C'est. Il y a. Moi j'ai 4 persos, il y a un stuff que vraiment. Ah, je vais me faire coucher. Ah putain, je me suis. Ah non, là. Non, je suis KO aussi, moi. En plus. Ouais, c'est lourd. Là aussi, c'est con parce qu'on a des alliés, mais ils viennent même pas nous aider, ce demande de bâtard. Ah non mais la JTF ils servent à rien, hein. À part il y a des moments où tu veux te planquer, le mec il se pointe à côté de toi, il te pousse, il pique ta place en fait, putain il casse les couilles en fait. Bon, on l'a échiqué. Ah non mais là c'est recouché sur la mission que c'est la plus facile de se finir. C'est vrai que c'est un peu... Les relevés indiquent que cette zone est sûre. Après déjà moi sur cette mission je me suis très mal placé. Ben au début non j'étais bien placé mais après j'étais mal placé. Je suis de tout cœur avec vous. Après je me suis vraiment mal placé. Baissez jamais les bras. Faut que tout le monde participe. Il y a un truc important là. Faut vous en occuper. Ouais, je te disais donc, je sais pas si. Attends, je vais peut-être rapprocher un peu mon micro. Ah, moi, je fais souvent des échos dans mon micro, c'est pour ça qu'il y a des moments où je le coupe carrément. Là, j'ai un micro de merde. Ouais. Après, si ça fait des échos ou quoi, n'hésite pas à me le dire. Gardez la tête froide. Non, pour l'instant, j'ai pas eu trop d'échos. Merci pour tout ce à part que du jeu. Un petit peu. Que une ou deux fois. Ah, au moins une fois, je sais. Parce que t'étais en train. En gros, j'ai entendu que t'étais en train de te battre, donc j'ai compris que t'étais parti du. Attention, vous êtes sur le point de quitter la zone de sûreté. Salut, Bam. Donc voilà. C'est juste pour ça que j'ai compris que. T'étais plus dans le centre opérationnel. Ouais, donc là je te disais, moi je te. Moi, je sais pas si t'as entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je me répète. Là, si t'as l'occasion de te faire un staff réclameur, vu que t'as pas du tout de staff à la base, essaie de faire ma mort le staff réclameur. Parce que ça, après, si tu veux faire du farm, rien que pour ciel pur, c'est le staff le plus important. Si tu veux farmer ciel pur, il faut au moins 2 réclameurs dans l'équipe. C'est un des stuffs le plus important quoi. Selon les missions. Il y a des missions, tu veux les faire, tu auras besoin de réclameurs. Mais pour faire du farm, si vraiment tu veux faire du ciel pur ou autre, réclameur c'est le plus important. Et en gros, faudra en avoir combien? 3, 2, 3. Bah si tu veux faire du ciel pur, le mieux c'est au moins 2 réclameurs dans l'équipe.
Si elle pure, elle se joue que sur ça, la mission. C'est au moins deux réclameurs qui posent leurs balises, qui les pètent, qui les reposent. Ah non, non, qui... mais je veux dire en armure. Je parle, il faut avoir toute l'armure réclameur ou tu peux faire un ah oui, non, mais ouais, non, mais c'est quand je te dis réclameur, c'est réclameur full classé, donc les 6 pièces réclameurs, quoi. Ok. C'est pour ça que là, sur cet event, tu peux avoir du réclameur, là, essayer de te faire les 6 pièces. Quoi. Ah ouais, non, si t'as que 3, 4, 5 pièces, ouais, non, après c'est chaud. Faut que t'essayes de, là, justement, t'as un réclameur classé, ouais, faut essayer de te faire au moins les 6 pièces réclameur, quoi, minimum. Après t'as du Firecrest, moi j'aime pas les mecs qui m'ont des... Firecrest, moi ça me casse les couilles le Firecrest. Moi quand je joue les mecs ils balancent leur tour et le flamme, les mecs moi je joue souvent je joue la flashbang en fait. Mais le truc qui se passe c'est que quand je balance une flashbang, les mecs ils ont avec leur tour et le Firecrest, en fait je vais jouer Détroit, je vais jouer Cogneur, je vais jouer avec ma flashbang. Et les mecs, je vais les immobiliser. Et les mecs, ils vont balancer leurs flammes. Et les mecs, ça va annuler l'effet de ma flashbang, en fait. Et les mecs, ils vont cramer, ils vont courir dans tous les sens. Mais le problème qui se passe, c'est qu'après, tu vois plus rien. T'as des flammes dans tout l'écran, les mecs, ils courent dans tous les sens. Alors déjà, ça t'annule l'effet de la flashbang. Et les mecs, ils courent dans tous les sens. Qu'est-ce que tu veux viser le mec après? Et en plus, tu vois plus rien à cause des flammes, quoi. Donc... c'est ouais, Firecrest, ouais, c'est bien hein, pour immobiliser les mecs, mais c'est quand t'as une habitude de jouer, c'est les kits. J'ai hâte de jouer avec des mecs qui jouent Firecrest ou autre. Ça te pète l'effet de ta flashbang de une. Hein. Tu vas balancer une flashbang puis immobiliser un mec, le mec il va péter l'effet de ta flashbang avec sa tourelle et le mec il va courir dans tous les sens. Et au final, tu vois plus rien, quoi. Ouais, ça casse les couilles. Je préfère un mec qui te balance. Un mec qui est full compétence, accélération de compétence, qui te balance une flashbang tous les 10 secondes. Qu'un mec qui joue avec les toiles de feu, quoi. Carrément. Mmh. Moi j'ai un kit puissance de comp, je vais te balancer des flashbangs tous les 10 secondes. Je préfère largement un mec qui joue des tourelles de flammes ou autre. Ça te cache tout la vue. Les mecs ils sont en feu, ils courent dans tous les sens. T'arrives même plus à les viser, les mecs. Tellement ils courent partout et à côté de ça tu vois plus rien. Ouais, ça c'est un avis personnel après. Dans mon kit de puissance de camp, je me tous les 10 secondes. Les mecs, je vais les immobiliser tout. Ah, mais t'es déjà sur place. Quelqu'un derrière toi. Attention, élément hostile en approche. Attention, nouveaux éléments hostiles en approche.
Faut pas sous-estimer la puissance de la flashbang. On est bien. Mec, ils ont posé 3 tourelles quoi. Ah ouais, c'est qu'il y a plusieurs ingénieurs. Mais normalement maintenant il y en a plus personne dans. Il y a plus d'ingénieurs en tout cas. On se coupe. Ils auraient tout dit. Ouais, t'es en soutien. Ouais, ouais. Ah, merde. Continuez de tirer, lâchez pas la pression. Il y en a qui arrivent par derrière là. T'as encore KO? Ah t'inquiète, je me relève tout seul. C'était prévu. Ah moi faut que ça vite, hein. J'aime pas rester derrière, attendre 3 ans. Bah ouais, de toute façon... Moi j'avais posé ma balise, j'avais prévu de faire un quand je joue en légendaire, hein, j'aime pas que ça dure trop, puis faut que ça avance quoi. Moi je pense qu'on est pas mal.
je peux retourner à la case départ. Putain, pour une fois que c'est pas moi qui me couche tout le temps. Ouais là, bah putain, en plus c'est le but simple, je pensais, j'ai choqué quoi. Au final, je suis même pas obligé de te suivre là. Bah après, ouais, faut directement. Du soutien, ouais. Non, mais je veux dire, jusqu'au terminal, on va dire. Ah ouais, non, t'es même pas. Ouais, non, moi je vais lancer, puis il faut voir où ils ont fait spawn le point. Nord, est. Ah, ils ont fait de la pub à For Honor dans leur jeu. Dans une zone de sûreté. Bah, For Honor, j'ai reçu un code. Je l'ai téléchargé gratuitement quand il a eu une grotte à ça. Et là, j'ai reçu un code pour avoir des bonus. Je sais pas, le champion. Ouais, j'ai pas pour rejouer. La zone de sûreté. Bah, j'ai Xbox Live. Entièrement gratuitement. Moi. Ouais, pareil. Et là, il y a deux jours, il m'a envoyé un code pour avoir des bonus dans le jeu parce que justement, je l'avais téléchargé gratuitement. Il m'a envoyé un code sur Xbox Live dans les messages. Okay. Ouais, vous avez téléchargé For Honor, donc vous filez ce code-là pour avoir un bonus champion pendant 7 jours avec des bonus et tout. Okay. Bon, puis tant que je l'ai téléchargé, j'ai pas rejoué. C'est quoi leur problème? Non. Attention, élément hostile. Ouais, je vais essayer de claquer le code quand même. Non mais je m'en fous de ça. Je m'en fous de la mission là qui s'est lancée derrière moi. Putain, vas-y, j'en. Attention, ravitaillement sous feu ennemi. Les relevés indiquent la présence d'un écho dans les environs. What? Tu peux te taper sur moi, j'y suis. À peu près. Donc, par contre, j'aurais, c'est vrai que j'aurais peut-être pu reprendre un peu de munitions. J'ai pas pensé sur le coup. Ah, faut monter dans un étage. Ah. Je crois qu'il faut monter, hein. Faut monter au-dessus. Faut descendre dans un ascenseur. Ouais, y a un ascenseur. Ah non? Faut monter? Ouais, c'est au bout à droite. Ouais, faut monter. T'es sur les toits? Ah oui. Attends, le mec il est tranquille, il dit rien, alors que t'es.
Ouais, c'est du violet. On va les violer. Bah, pour l'instant, en tout cas, ça a l'air d'être dans ce genre-là. Hein. Du viol. Ils viennent de derrière. De toute façon, ils doivent pas pouvoir venir de l'autre sens, je crois. Non ? Si, ils peuvent venir de l'autre côté. Mais attends, je te tire dessus là, tu vas pas te barrer quand même. Attention, nouveaux éléments hostiles détectés. Ouais. Ça c'est avant, ça fait pas ça, c'est. J'ai l'impression que tant qu'ils ont fait une certaine mise à jour à la vitesse des mecs, les mecs c'est des ninjas. Tout chelou, il y a des moments où tu psychotes. Qui court à droite, à gauche, ils font des. Ils sont deux fois plus rapides que toi. Attention, nos éléments hostiles en approche. Bon, après, c'est une. Puis tant qu'ils passent. Donc, forcément, ils améliorent leur visée. Parce qu'au début du jeu, t'avais pas les stuff que t'as maintenant. T'es 10 fois plus puissant. Ils améliorent les ennemis au fur et à mesure. Les mecs, ils tuent des. Du choc. Les mecs, qu'est-ce qu'ils font? C'est n'importe quoi. Attention, nouveaux éléments hostiles détectés. Ouais, ça, c'est pas lié, c'est. Les lié en accéléré. Les mecs ils sautent, ils descendent, ils ressautent, ils démontent, tu choques Tu mets quel? Il fait des mêmes. Ouais merde. Ce division 2 là, j'ai envie de me le prendre dès qu'il sort, mais vu comment c'était le premier là, j'ai envie d'attendre la fin du jeu pour me le prendre. Ouais, ça c'est juste pour mon oreille. Bon bah voilà, c'est fini. Après, s'il en restait beaucoup encore, mais. Putain, je suis fou là, faut que je supprime des trucs. Damn. Oh, putain de bug d'affichage, j'arrive pas à voir mon inventaire. Ça, c'est. Ça arrive tous les jours. Ah, de quoi tu veux parler? Ah, affiche-moi les armes. Putain, leurs menus en plus sur PC sont pourris. Autant, bon, je compare un peu. Maintenant je compare les bugs en fait, mais là, leur menu. Tu fais start, ouais, inventaire, y a rien qui s'affiche. C'est rien. Tu boutes le troisième. Je suis content de jouer sur Xbox parce que sur PC, sur Xbox c'était encore pire. J'avais des. Tu lances des missions, t'as des lags tous les deux secondes. Et là, je comprends. Tout ton inventaire, les trucs s'affichent. Ça, c'est juste énorme.
Là je suis occupé, mais de toute façon on va pas tarder à s'arrêter. Je pense. Il doit nous rester quoi, un ou deux, non? Même pas. D'ici peu. Bah, comme tu veux. Moi je peux le faire avec toi après. T'es où? Je vais faire autre chose. T'as retourné sur PD2 un petit peu. Pas, parce tu joues sur PC ou sur Xbox? Moi je joue que sur PC. J'ai pas de console. J'ai pas de console. Ou sinon j'ai que des consoles Nintendo. Tu joues à quoi par division? Bah sur PC j'ai GTA 5, j'ai Fortnite Night, mais tu connais pas, donc voilà. GTA 5 je l'ai sur Xbox, mais j'ai jamais pu faire le transfert, du coup j'ai pas envie de recommencer à zéro. Le transfert? Ah mais dans le mode histoire? Non, dans le mode online, le transfert il marche pour les deux, hein, aussi bien dans le mode histoire que le mode online. GTA 5 je l'ai commencé à la sortie sur 3.6. Ouais, en plus, il y aurait juste un là Après, j'ai eu l'Xbox One, donc j'ai fait le transfert de la 36 à la One. Après, ils ont arrêté les transferts. Après, j'ai acheté un PC, donc du coup, je pouvais plus faire le transfert de la Xbox One à la 6. Ouais, déjà, si bien le transfert il était autorisé qu'une seule fois, donc j'avais déjà fait le transfert de la 36 à la One. Tu veux parler de quoi encore, Chilo? Donc ça te dit ou pas de faire le dernier qui reste de 6 prioritaires hebdomadaires? Il en reste un il me semble. Bah si il en reste un, vas-y. Allez. Non mais tu me parles de quoi tu m'as dit? Bah je te parle de GTA, tu me parles de GTA. Non je te parle, je parle à... Non non. Ok. Non, c'est vrai que c'est un peu compliqué peut-être pour toi, parce que. Mais bon. Bah, j'entends que toi, donc ouais. Oui, si tu parles avec quelqu'un d'autre. Moi, je parle avec des autres qui parlent pas non plus, mais ils parlent à l'écrit, quoi. On va dire. Mais ils parlent pas non plus. Mais ouais. Et tu joues pas à PD2, Gears of War 4 ou... Après, j'ai Ark aussi. Je sais pas si ça dit quelque chose. En ce moment, il y a Ark Evolved là. Bah, ça dit quelque chose. Ark Survival Evolved. Ouais, ça me dit quelque chose. Ils avaient pas filé un. C'est un truc de dinosaure, si tu veux. Ouais, ils avaient pas filé un truc gratuit à un moment. Je crois que j'ai déjà dû tester. C'est pas cher. J'ai pas suivi quoi. Ouais, mais si, toujours par rapport à ce que tu m'as demandé avant, c'est toujours non. Emplacement marqué à proximité. Non, pas par là. Par rapport à ce que je t'ai demandé avant. Non, bah, pas toujours pas, c'est pas toi que je dis ça. Donc, c'est pour ça. Bon, au cas où, je joue à PD2. En ce moment, je suis sur PD2, je vais faire le succès. Je suis sur. Soit PD2 PC, Gears of War 4 PC. Si tu veux, je suis sur place pour le dernier là. Division, moi je les ai aussi bien sur Xbox, mais je joue plus sur Xbox, je joue sur PC. Là. Vas-y, on voit, je me fais une club vite fait en tournant. Ouais, je suis là. J'ai commencé même un peu. Ouais, je me TP sur toi. Je me fais ma club en tournant. Ouais, je suis même par terre, ça y est. Ah, par contre, il va falloir que je fasse ce speed. Hein. Ah bah, un échec, c'est mort. Bon, bah, ça y est, c'est fini. L'échec de la mission, tant pis. Mais là, il y en a plus. Tu veux que je la relance ou tu veux que. Bah, de toute façon, on peut pas la relancer ici. Si, on peut la relancer. Bah, faut que tu repayes par contre. Ah bon? Qu'est-ce que j'aimerais
Ouais, je vais lancer. Bah, quoi que non, bah, ça dépend. Moi, je vois trop bien compris leur système, mais bon. What? Bah, tu dois la recommencer depuis le début. Je sais plus si tu dois repayer ou. Ah oui, marque disponible. Ah oui. Ah, faut que tu relances à partir du point de. Je sais pas, il marque pas de monnaie en fait. Il parle pas de monnaie dedans. Là. Allez, ouais. Au début, il marque tu dois tant, mais là il marque pas tu dois tant en fait. Ça doit être le même, je suppose. Hey, agent. Oui. Non. Mais pas tout à fait au même endroit. Hey, agent. Ah, à peine plus loin. Ouais, non, ça change. Bah, je suis presque dessus. Je vois pas la liste de points. Ah, il est juste à côté de la base d'opération. Okay. Bonne chance à vous. Heureusement que vous étiez là. Marqué à proximité. Attends, mais on l'a fait tout à l'heure celui-là, non? Non? Ah bah c'est. Ouais, il remet. C'est même. Bah c'est le. En tout cas, c'est le même endroit. Ah mais merde, c'est vrai que j'étais tout seul. Quoi. Oh, c'est du rouge et du violet. Ouais, c'était le début. Voilà, c'est la plus simple. Hein, parce qu'on a commencé par le plus dur, on est revenu par la plus simple. Approche.
Ouais, faut... On va pas cru. Élément hostile en approche. Y'a le boss qui arrive. Élément hostile blindé. Merci. Ah, ça y est, c'est fini. Ah. Ouh. Ça. Ouais. Bon, je pense qu'on a fini là. Ouais, je vais regarder, mais je vais voir si tu veux. Non, il en reste une. Ah bon, il en reste encore une? Ouais. Bon, au pire, c'est pas grave. J'ai de la faire hein, pour ce que ça rapporte. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là, moi. De toute façon. Ouais. Ouais. J'ai eu un télé. Donc j'étais vraiment content de jouer avec toi. Cool. Bah écoute, si ça peut aider. Après ouais, moi j'ai fait mes trucs aussi donc Ouais. Donc Bah écoute, t'as l'occasion, pourquoi pas si on peut voilà, si on veut avancer sur les trucs, y'a pas de soucis. Ok, pas de soucis. Bah je te dis à une prochaine peut-être. Bah vas-y, ça marche. Allez, ciao. Salut, bonne soirée. Salut, bonne soirée à toi aussi. Donc... qu'est-ce qui s'est passé là? On va mettre ça. Oui. Donc, les amis, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que le stream vous aura plu. Donc moi, je vais y aller. Je vais vous laisser là.
Et donc j'espère que le stream vous a plu. N'hésitez pas à revenir peut-être pour un prochain stream. Je vous dis à la prochaine, c'était MMP Simulator. Je vous dis ciao ciao.